Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. On est ravi de vous recevoir. Ce soir, vous pouvez voir que je suis très entourée et pas des moindres. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez bien sûr à côté de moi, à ma droite, c'est ça, Jacques Martel. On a Clotaire Guérin et notre chère animatrice Annelise Robert. Comment vous allez, les amis? Ah, moi, ça va bien. Mieux qu'hier, ça va bien. Demain. Moi aussi. Oui, super, super, super. Bon, en tous les cas, on va vivre ce soir une magnifique Vibra-conférence. On est ravis, Clotaire, que tu aies eu cette magnifique idée d'inviter sur ta Vibra-conférence Jacques Martel autour d'une thématique très, très importante et puissante. On va bien sûr te laisser cet espace pour pouvoir en parler. Et avec notre chère référence, Jacques Martel, qu'on cite... Je crois pas une phrase sur deux, hein. À chaque fois, on a toujours une référence autour de tes écrits, Jacques. Donc, merci d'être là. Merci de partager avec nous ce soir. Et on est ravis de vous avoir aussi dans le chat. On va vivre une conférence, comme je l'ai dit tout à l'heure, très puissante, où Clotaire va pouvoir aussi dialoguer et faire ce dialogue avec Jacques, avec vous. Sachez aussi que, bien évidemment, la Vibra-conférence vous inclut pleinement dans une co-création. C'est le moment, et vous l'avez utilisé ici, le chat. Vous pouvez bien sûr poser vos questions, vous pouvez faire vos commentaires. Et juste une petite précision pour que vous le sachiez, on fera les questions, les réponses aux questions sur la fin de la Vibra-conférence, ou du moins dans une deuxième partie, une fois que la Vibra aura bien déjà été entamée, de façon à ce que ça puisse... C'est garder le fil, écouter au maximum et faire en sorte que cette Vibra-conférence soit la plus harmonieuse et la plus enrichissante pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant de céder la parole à notre cher Clotaire, je voudrais juste m'assurer, et vous allez peut-être tous parler un petit peu aussi, savoir si vous entendez tout le monde, si vous nous voyez bien, si tout est OK au niveau technique, pour qu'on puisse enchaîner là-dessus. Alors peut-être, Clotaire, tu veux peut-être... Tout est OK pour moi. Super. Jacques. Je crois qu'on fait exprès. On est vraiment on la sentait venir celle-là en plus. C'était visible. Voilà. Annelise. Alors moi, tout est OK. OK, bon, bah écoute. Merci Dolores de nous confirmer que tout est OK. Super, on va pouvoir commencer tranquillement. Alors Clotaire, explique-nous un petit peu... Déjà, pourquoi ce titre-là autour du mot, du pouvoir des mots et, voilà. Le titre de cette conférence, le pouvoir des mots pour guérir ces mots, c'est mon expérience en tant que thérapeute et formateur, mais c'est avant tout mon parcours de vie et du coup les outils que j'ai glanés au fur et à mesure des expériences. Et ce soir, c'est plus la partie de moi thérapeute qui va s'exprimer et qui va aussi rendre hommage à Jacques. J'ai un écho. Je m'entends en doublon. Il doit y avoir un souci quelque part et quelqu'un qui a dû mettre un haut-parleur. Alors, on n'est pas en haut-parleur, mais peut-être que tu as dans ton petit ordinateur une autre fenêtre ouverte, c'est possible. Et celle-ci peut-être fait écho avec la suite. Non. Donc, des fois ça passe aussi, des fois ça passe. Essaye encore un petit peu. Alors, et j'entends l'écho aussi. Oui. Là, ça y est, j'ai plus d'écho. Ah, j'ai un petit écho. C'est pas grave. Je vais faire abstraction. Ça va. Ça va être dur de garder le sérieux ce soir. En plus, j'étais en train de dire que je... On va mourir de rire, Clotaire. Faut bien mourir un jour. C'est d'ailleurs pour la première présentation cette année, ce sont les 20 ans du dictionnaire du malaise, des malaises, des maladies. Hein, Jacques ? 22 ans ? 98. La première édition est sortie en 98. D'accord, parce que là, j'ai vu passer sur ton Facebook les 20 ans, une édition spéciale. C'était l'édition spéciale qui a passé l'an passé, de luxe, cartonné et tout et tout. Ça a fait un carton, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a cartonné. Le pouvoir des mots. Prends-lui pour guérir ces mots. Alors, du coup, je vais essayer de reprendre derrière ça, ce qui n'est pas évident. Ça va aller, Clotaire, on est avec toi. Ce grand dictionnaire des malaises et des maladies, il m'a ouvert les portes parce que à l'époque, j'y connaissais absolument rien. Et du coup,
ce dictionnaire, la théorie, quand on le lit comme ça tout seul, c'est pas évident à comprendre, c'est pas évident à décoder. Il y a besoin aussi d'être accompagné et surtout de partager. C'est ce que je vous propose ce soir. Partager autour d'un thème qui nous touche tous, qui nous bouleverse, qui nous affecte et qui parfois nous crée des maladies. Et ce thème, c'est le deuil. Le deuil suite à un être cher, que ce soit un humain ou un animal. Et ça, c'est important, et j'y reviendrai plusieurs fois ce soir. Je suis un passionné d'animaux, je les aime énormément. Je travaille beaucoup avec les animaux, en tant que comme animal ou en tant que thérapeute aussi. Et je me rends bien compte que la plupart d'entre nous, des fois, on aime parfois plus les animaux que nos proches. On se sent beaucoup plus proche de nos animaux qui font partie intégrante de nos vies, avec qui, d'ailleurs, on s'engueule rarement, nos animaux. Et du coup, un deuil, ça se réalise aussi quand on perd un animal. Et on verra aussi des techniques. Je parlerai aussi de la médiumnité. Je parlerai aussi de la relation de l'âme avec des animaux dans l'au-delà, puisque c'est quelque chose que j'ai découvert et que je pratique. Et du coup, on fera le lien entre deuil humain et animaux tout au long de cette vibra. Avec, bien sûr, le thème principal, c'est les conseils pour achever le travail de deuil et trouver ce qu'on appelle la paix du cœur. La paix du cœur, ça demande du temps, du travail, et ça demande aussi deux qualités essentielles, qui sont la remise en question et le travail sur soi. Ces deux outils, je vais vous les reproposer souvent, je vais les remettre souvent sur nos interrogations, parce qu'une phase du deuil, déjà la première chose, c'est qu'elle n'est pas linéaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut très bien faire des allers-retours entre les différentes étapes, qui, du coup, je vais vous les présenter juste après. Avant, on va poser un cadre. Ce cadre-là, il est très simple. Tout ce qu'on partage ce soir, prenez du recul, pratiquez sur nous le discernement. Nous ne sommes pas médecins, on n'a pas de diplôme de psychothérapeute, on n'a pas de diplôme qui permette de dire c'est ça ou ça, telle ou telle vérité. Ce qu'on partage avec vous ce soir, c'est simplement fruit de recherche, de travail et d'expérimentation, mais en aucun cas on va donner des choses qui vont remplacer la médecine traditionnelle. D'accord ? Ce cadre, c'est important de le poser. Nous, on va simplement exprimer un point de vue. Ok ? C'est ok pour tout le monde ? J'ai bien. J'ai bien l'impression. Allez, c'est parti. Du coup, la première chose, c'est que lorsqu'on perd quelqu'un, un animal, on a cette souffrance, on a ces différentes parties qui nous affectent, qui nous bouleversent, qui nous troublent, mais on a aussi dans la première partie un choc. Et ce choc émotionnel, on a le corps qui se sclérose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est un petit peu comme différé de l'émotion. Le choc, il nous abasourdit, l'annonce d'un décès, ou même quand on découvre le corps humain ou le corps d'un animal. Et du coup, quand le corps se sclérose, ça nous permet un petit peu d'être comme une protection pour éviter de tout prendre la charge émotionnelle d'un coup. Ça, c'est la première chose qu'on traverse tous. C'est une manifestation inconsciente, hein. Et du coup, la première question que j'ai envie de poser à Jacques, c'est, étant donné qu'un deuil nous affecte tous, étant donné que ça fait partie un petit peu de nos épreuves de vie, et que le grand dictionnaire des maladies, c'est quand même le mal a dit. Le mal a dit quoi ? Le mal a dit qu'il est temps de s'exprimer. Donc du coup, ma première question, Jacques, c'est quelles maladies, elles peuvent être reliées à un deuil non résolu ? J'ai envie de te dire, Claudère, que lorsque je vis une situation comme ça, l'idée est que un stress ou un grand... Parmi les grands stress que l'être humain vit, que je peux vivre dans ma vie, quand moi, c'est chacun d'entre nous, le deuil en fait partie. Alors, un stress, un grand stress, nourrit tous les autres stress. Alors, si j'ai des stress, et les autres stress, ça peut être... une maladie que j'ai au niveau des poumons, au niveau des intestins, au niveau de ci, de ça. Mais si je rajoute un beaucoup plus grand stress par-dessus, ça va alimenter mes stress que j'ai déjà.
comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça va créer une surtension et un effet de débordement. Alors, je vais devenir en surstress. Alors, la différence entre être en stress et en surstress, je peux vivre un stress et je le gère bien et tout ça, tout va bien, mais un surstress, c'est comme trop. Alors, quand c'est trop, le surstress psychologique se change en un stress biologique sous forme de maladie pour libérer mon cerveau de 99% du stress dans une optique de survie de l'espèce. Alors, ce stress-là va influencer une partie ou l'autre de mes stress, ou il peut influencer beaucoup, par exemple, je ne sais pas moi, au niveau du cœur aussi. La personne va avoir un stress tellement grand qu'elle va perdre connaissance, ou elle va faire une crise de cœur, ou elle va faire... Tu sais, ça peut être spécifique à ça, mais pas nécessairement. Ça va alimenter tout simplement les autres stress. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas une maladie spécifique qui est reliée au stress d'un être, soit que ce soit un animal ou d'une personne disparue. D'accord, merci Jacques. En fait, ça va dépendre aussi de la manière dont on le vit, de aussi notre capacité à accueillir les émotions. Et dans ces cas-là, on va pouvoir travailler. Alors, travailler sur soi, ça me paraît quelque chose d'indispensable. Et surtout, comprendre un petit peu comment ça se manifeste après le choc. Donc oui, là, vous avez sur mon écran... Clotaire, oui, tu parles de choc, là. Mais moi, là, si j'ai une personne de qui je me sens très proche, ça peut être un parent, mais tu vois, moi, quand, il y a de ça 50 ans, quand ma maman, on m'a appelé à l'hôpital pour me dire qu'elle était décédée, j'avais convenu avec elle d'être présente lors de son départ. Parce que je savais que ça pouvait arriver. Et à un moment donné, j'étais allé la voir, elle était encore en vie. Elle dit, Jacques, j'ai passé proche de t'appeler la nuit dernière parce que je pensais que je partais. J'ai dit, tu sais, maman, je t'avais dit de m'appeler, je vais être présent à côté. Alors, ce qui est arrivé, c'est 2-3 jours après, l'hôpital appelle pour dire que ma maman était décédée. Donc, je me rends à l'hôpital. J'avais 20 ans. Je rentre dans la chambre d'hôpital, ben elle n'avait plus les tuyaux, là, et tout ça. Donc, elle avait le drap jusqu'au cou et tout ça. Bon, mais elle était décédée, mais je n'ai pas vécu un grand stress. Au contraire, j'avais beaucoup d'amour en moi et j'avais même de la joie parce que j'ai compris des années après, parce que je n'en parlais pas à l'entour de moi, on est en 70 là. J'ai vu une lumière au-dessus d'elle qui était présente. Dans le fond, c'était son corps astral qui était encore présent. Donc, c'était un décès. Mais ça dépend toujours, tu dis ça dépend de la personnalité. Mais pour moi, ce n'était pas de la peine nécessairement. C'était une joie parce qu'elle était passée à un autre niveau. Vois-tu? Donc, c'est sûr que ça dépend. Parce que toi, tu as ces facultés, Jacques. Parce que toi, tu as cette capacité à, du coup, percevoir au-delà du visible, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde et qui, du coup, on le vit chacun de manière différente. Et je te rejoins sur cette épreuve parce que moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 18 ans, toi, tu avais 20 ans. Donc, quand on est jeune et qu'on fait face, est-ce que tu avais déjà conscience de toutes ces étapes? Parce que passer directement à la joie lors d'un deuil, ça fait un petit peu précipité, non? Oui, oui. Mais aussi, si c'est une personne de qui je suis proche, et puis qui est en souffrance pendant sa maladie, qui est en phase terminale, mais non seulement en phase terminale, mais en souffrance, quand la personne part, je vis un certain soulagement, ça peut me rendre triste, parce que la personne est décédée. Mais je ne suis pas nécessairement en crise. Je le vois comme une libération. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de deuil. Toi, tu le vois comme une libération, Jacques. Mais dans un processus, on va dire, selon un rythme classique, eh bien, du coup, il va y avoir différentes étapes. Et le choc, c'est la première des étapes. Oui, d'accord. Et s'ensuit le déni. Alors, peut-être que toi, tu ne l'as pas vécu comme ça, mais moi, je vais parler en tant qu'expérience personnelle. Et du coup, je vais ramener ça aussi à un ensemble d'informations. Le déni, comme vous voyez, c'est la phase juste après le choc. Et le déni, c'est quoi? C'est nier la réalité. C'est ne pas croire à la mort, ne pas l'accepter. Alors pour ça, je vais prendre des exemples qui, on les voit tous aux informations. On l'a eu récemment... Oui ?
Clotaire, est-ce que tu pourrais zoomer un petit peu plus parce que le partage d'écran, pour qu'on puisse voir davantage le schéma. Ok, est-ce que c'est mieux comme ça? C'est parfait. Oui. Oui. Merci. Ok, donc la phase après le choc, c'est l'annonce, l'information. On a cette phase émotionnelle de déni. Le déni, c'est une négation, et cette négation, je pense que la période Covid a accentué aussi ce déni sur une raison très simple, c'est que, rappelez-vous, lors du premier confinement, les salons funéraires ont été fermés. Est-ce que vous vous souvenez de cette nouvelle aux informations où on n'avait pas le droit, on n'avait pas l'autorisation d'aller voir le corps? Et moi, en tant que thérapeute, je me suis mis à la place de tous ces gens et je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir passer le déni s'ils n'arrivent pas à visualiser, s'ils n'arrivent pas à prendre conscience? Parce que l'étape qui permet de passer le déni, c'est cette prise de conscience, c'est cette visualisation du mort. Et c'est bien pour ça qu'il y a des chambres funéraires. C'est bien pour ça qu'il y a aussi énormément de rituels qui sont faits hein, dans toutes les civilisations, dans les différentes religions. Ce rituel-là, il est important. C'est dur donc pour les personnes qui n'ont pas forcément pu approcher le mort. Moi, je vais vous raconter une histoire aussi, elle est un peu sordide, mais elle est importante. C'est le cas aussi pour les enfants qui sont disparus. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi au Québec, mais en France, tu sais, on a souvent aux informations des alertes enlèvement, mais on a aussi des commémorations pour les enfants qui sont disparus. Et là, aux informations avant-hier, c'était celle de Manon Wagon. Vous savez, c'est la petite fille aux yeux bleus qui a disparu il y a 10 ans. Enfin, elle avait 10 ans, pardon. Ça fait 25 ans aujourd'hui. Et j'écoutais l'association, la membre de l'association qui disait « Mais on la recherche encore, on n'abandonne pas les recherches. » Moi, dans ma tête, je me dis, toujours ce raisonnement thérapeute, je me dis « Mais si elle a disparu, elle avait 10 ans, 25 ans après, ça fait qu'elle en aurait 35 et ils cherchent encore une enfant. Oui. » Elle parle comme si c'était une enfant disparue. Il y a un problème quelque part. Et ça, c'est une forme de déni de la réalité. Puisque du coup, le temps avance, mais la personne reste bloquée dans cette étape. Je pense aussi aux informations quand on a des crashs d'avion. Vous savez, la première chose qu'on fait, tout le monde veut retrouver la boîte noire pour savoir ce qui s'est passé, entre rêve et espoir. J'ai vu un jour, on voit tous des crashs à la télé, et puis un jour, j'avais un avion qui avait disparu en mer et du coup, aucun survivant n'était retrouvé parce qu'on n'a pas localisé l'épave d'avion. C'était le MF, je ne sais plus combien. Et puis, j'ai cette personne qui avait quelqu'un, un proche de sa famille dans cet avion et qui me dit « Mais moi, je vais tout faire pour retrouver cette épave, je m'engageais des recherches personnelles, tout ça. » Eh bien, figurez-vous qu'il est repassé aux informations un an après. Et c'est là qu'on apprend qu'il avait quitté son travail, qu'il était parti mener des expéditions et qu'il était petit à petit en train de, on va dire, dépenser tout son argent pour du coup retrouver cette mystérieuse épave parce qu'il n'arrivait pas à faire le deuil. Là aussi, on est dans un déni, puisque quand on n'a pas pu visualiser, quand on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, eh bien du coup, c'est ce déni qui n'est pas évident à passer. Donc du coup, comment fait-on ? Eh bien, je vais vous raconter un exemple personnel. J'ai perdu ma mère, j'avais 18 ans. C'était très difficile parce que j'ai pas pu assister à son enterrement, j'étais à l'hôpital. Je me suis réveillé après 10 jours de coma. Et quand je suis sorti du coma, on m'a annoncé la mort de ma mère. J'ai demandé bien sûr au chirurgien si je pouvais bouger. Il m'a dit non, c'était pas possible, j'étais pas transportable. Donc du coup, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans ce lit d'hôpital et il y a une partie de moi qui voulait pas y croire. Il y a une partie de moi qui était révoltée, qui avait cette phrase qui tournait en tête et je pense que ça arrive aussi à pas mal de personnes. Et du coup, j'ai eu l'aide d'un ami qui était un ami proche de ma mère, qui est mon tonton de cœur et qui m'a dit, tu sais, t'as pas pu aller à l'enterrement de ta mère, mais... tu peux aussi le faire avec un rituel symbolique. C'est quoi un rituel symbolique? Eh bien, du coup, il m'a dit, il faut que tu travailles avec ton inconscient, il faut que tu travailles aussi avec des choses qui font référence à la mort, mais aussi à la lumière et à l'espoir. Je repense à Jacques, tu disais tout à l'heure, tu as ressenti de la joie et il y avait la lumière autour de son corps. Eh bien, son aura, l'aura, elle est lumineuse.
Mais du coup, ce qu'il m'a dit, mon tonton, c'est qu'il m'a dit, écoute, ce qui serait bien, c'est que tu fasses quelque chose avec de la couleur violette. Pourquoi le violet? Parce que c'est la symbolique du visible, de l'infrarouge. Avec, associe-le à une bougie, par exemple. Parce que la bougie, à la fin, elle tombe dans l'invisible, c'est la lumière. Donc, je l'ai fait et j'ai fait ce qu'on appelle le rituel de la tombe. C'est quoi le rituel de la tombe? Eh bien, du coup, j'ai écrit un texte pour ma mère, puisque, en général, le pouvoir des mots pour guérir ces mots, qui est le thème de la conférence, eh bien, du coup, c'est les choses, vous savez, qu'on n'a pas pu exprimer, les choses qu'on dit qui sont restées soit coincées en travers de la gorge, les regrets, mais aussi l'amour qu'on portait à nos proches. Et bien pour ça qu'on fait des cérémonies. Et bien du coup, je lui ai exprimé cet amour à travers un texte que je lui ai lu avec quelqu'un qui est allé prendre la photo de la tombe et qui du coup me l'a ramené. J'ai fait ce rituel. Et bien du coup, ça a déclenché en moi non seulement une prise de conscience, mais aussi une acceptation. Et le déni, je remarque, j'ai pas mal de personnes qui, quand ils viennent me voir en thérapie, il y a une forme de déni qu'on retrouve aussi chez les animaux. Je vais vous donner un exemple. Le déni chez un animal, c'est quand le chien meurt et que les gens reprennent tout de suite le même chien en lui donnant le même nom. Est-ce que vous avez déjà eu ce phénomène? Alors, moi, je suis assez sidéré, je suis assez contre. Quand on me dit ça, moi, je suis assez cash et je leur dis, mais attendez, vous reprenez un animal, la même race, vous essayez de retrouver le même exactement, vous lui donnez le même nom, mais en fait, vous êtes dans le déni, vous n'assumez pas le fait qu'il soit mort, et en fait, vous cherchez à maquiller sa mort, en fait. Mais du coup, et je fais souvent référence à Jacques, et je dis, mais vous savez, les émotions, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime, et tout ce qui s'imprime a envie de s'exprimer. Et du coup, quand on ne prend pas le temps de faire les choses, quand on ne prend pas le temps de vivre son deuil, par exemple, c'est là où je pense notre corps réagit et que nos émotions s'y réagissent. C'est pour ça que je te posais cette question, Jacques, pour savoir si on peut distinguer certaines maladies qui vont rentrer dans les parties, le deuil non résolu. À partir de là, je vois qu'il y a pas mal de commentaires avec. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, pour ce qui est des commentaires, on prendra le temps de. C'est plus une question. Oui. Dans un deuxième temps, dis-nous, Jacques. Oui, alors on parle des mots ici, là. Je vais mettre en évidence deux mots en particulier, hein. Quand on met, moi, il y a quelques années, je ne sais plus, ça fait combien de temps, 15 ans ou 20 ans, il y a une petite fille qui s'est fait enlever et tout, et on l'a même cherchée pendant des années. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que sur des grands panneaux, hein, des grands panneaux sur les autoroutes, c'était marqué, je ne me souviens plus son nom, là. En tout cas, c'était marqué disparu. Alors, est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui est disparu? On a mis dans la tête de millions de personnes qu'elle était disparue. Mais on ne la trouve pas. On l'a trouvée au bout de 15 ou 20 ans. Mais bon, elle avait été enterrée et tout, là. Mais elle est disparue. Donc, au lieu de marquer recherchée, si on Eh partait à rechercher, la conscience collective a plus de chances de la retrouver que d'affirmer qu'elle a disparu. bien Si sûr. des millions de personnes affirment qu'elle a disparu, eh bien oui, elle a disparu. Et quand on me dit, parce que Clotaire, tu as utilisé le mot, je comprends, mais quand quelqu'un me dit, ah oui, ben j'ai perdu ma mère, ah bon, on ne l'a pas retrouvée encore? On ne perd pas quelqu'un. Elle est décédée. Elle a quitté ce monde. C'est vrai, mais pas perdue. Pas perdue. J'expliquerai plus tard pourquoi que le mot perdu s'adapte pas aussi, là. Je faisais des exercices dans des ateliers où je reconnectais les gens à l'amour de la personne qui était partie. Donc, je n'ai pas perdu. Ok, t'as raison de me dire ça. Je vais corriger mon langage. Donc du coup, Oh. le décès. Je vais dire la disparition. Ouais, Je vais en faire la voilà. même. Non. Soit qu'elle est décédée, la personne, ou soit qu'elle Elle a est quitté décédée. ce monde, hein, Ouais. ce monde physique, elle a quitté ce monde. C'est la réalité pareille. J'invente pas des choses qui sont pas vraies. C'est la réalité. Elle a quitté ce monde, elle est décédée. Moi, j'aime mieux dire quitter ce monde parce que Quitter même ce de dire que monde. la personne est morte, c'est pas vrai. Elle continue de vivre à un autre niveau, elle continue de vivre. Elle est encore vivante. Oui, bon alors c'est quand même une réalité physique, la mort.
La mort physique, oui. La mort physique. Dans le visible. Oui. Dans le visible. Exactement. Tout à fait. Alors ça, on y reviendra un petit peu, la partie la survivance de l'âme, la partie médiumnité. Ça me fait penser, un jour, on m'a contacté parce qu'une une personne avait perdu sa sœur qui était partie en randonnée et depuis, elle n'avait plus de nouvelles. Ils l'ont pas retrouvée ? Ben non. Elle était recherchée. Je t'inquiète. T'inquiète pas. C'est comme si on était entre nous, c'est pour ça. Ah bah oui, avec des millions d'auditeurs, c'est sûr. Alors du coup, cette personne me demande un petit peu où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'ils avaient dû interrompre les recherches. Hein. Vous savez, les recherches, au bout de, je crois que c'est une semaine ou 10 jours, déjà en montagne, au bout de 24 heures, les chances de survie diminuent, mais ensuite on arrête les recherches et du coup, on me demandait un petit peu... où était cette personne? Et bien du coup, c'est là où la médiumnité des fois peut servir. Et donc, j'ai contacté cette personne et j'ai eu un endroit avec très précis, avec un chemin, avec un panneau. Et cette personne était tombée juste à ce niveau-là, comme un éboulement. Et effectivement, des semaines après, ils sont allés rechercher donc en bas de cet éboulement. Elle était en fait, ils ont retrouvé son corps sous les pierres. Alors pourquoi amener cet exemple-là? Parce que je pense que c'est important aussi de comprendre que on a vu un petit message, la mort, c'est l'âme hors, et je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais la phase de deuil, on la fait aussi pour les vivants. C'est les vivants qui portent le deuil. Bien sûr. La plupart des personnes ont une vision de la mort assez négative, assez triste, sauf certaines personnes qui vont avoir une conscience éclairée, j'ai envie de dire le mot conscience éclairée, hein, un niveau de conscience et spiritualité, comme tu le disais Jacques, par exemple, je trouve ça très courageux à 20 ans, lorsque tu perds ta mère, d'y voir de la joie, mais c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu, et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'importance des émotions qui résonnaient en moi, sans pouvoir les mettre des mots, sans pouvoir les décortiquer, et du coup... Dans ton dictionnaire, il y a une technique qui permet de rentrer dans la deuxième phase qui est la partie de la monosyllabe. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu, s'il te plaît? Alors, au début du livre Le Grand Dictionnaire de Malaise et Maladie, oui, il y a une technique, mais on en parle aussi dans Le Pouvoir des mots et on en parle aussi dans le livre Le Pouvoir des mots et dans le livre Atma, le pouvoir de l'amour. La technique monosyllabique consiste à lire un texte syllabe par syllabe, en prenant une seconde par syllabe. Et en faisant ça, ça permet une intégration de la situation que je lis. Dans le cas du dictionnaire, bien sûr, ça a rapport à la maladie ou au malaise, mais dans le cas d'un deuil, justement, je peux écrire tout ce qui me vient suite au deuil de la personne de la personne qui est partie. Ça peut être mon papa que j'aimais, mais que je lui reproche de ne pas avoir été présent. Je lui reproche de m'avoir malmené, ou tous les bons côtés aussi. Et je suggère que tout ce qui est négatif, l'amplifier hein, le plus possible et écrire ça à la main. Ok, je l'écris à la main. Et une fois que ça s'est écrit, je prends le texte et je le lis syllabe par syllabe en prenant une seconde par syllabe. C'est important de prendre une seconde par syllabe parce que ça fait une intégration au niveau du cœur. Mm. Et ça a des chances de faire monter l'émotion pour que l'énergie d'amour après redescende et que la guérison émotive, je dirais, hein, la guérison émotive se fasse et l'intégration se fasse aussi. C'est un outil super, super puissant. Alors, on peut faire ça. Comme j'ai dit, on ne met pas uniquement les choses positives, on met les choses négatives aussi. Et les négatives, c'est mieux de les mettre au plus fort possible parce que plus le poids psychique, même négatif, est important, plus la transformation positive, parce que ça passe à travers le cœur, va être importante aussi. Donc, ça c'est important de le faire comme ça. Mais je répète, une seconde par syllabe. Surtout pour les Français, je dirais, dans la façon dont
en grosso modo, les Français sont éduqués, mais on n'est pas porté à parler lentement comme ça, parce qu'on est plus cérébral en général, mais c'est tout un effort que ça demande de le faire syllabe par syllabe, en prenant une seconde par syllabe. Mais c'est très bénéfique. Il y a des gens qui sont allés chercher des guérisons physiques comme ça, mais on peut aller chercher des guérisons émotionnelles, et c'est une des façons que je voulais mentionner éventuellement, d'aller intégrer un deuil. En intégrant toutes les émotions positives et les émotions négatives par rapport à ça. Bien sûr, alors tout ça, ça demande aussi, comme je le disais au début, un réel effort, hein, comme tu dis Jacques, mais aussi le travail sur soi, qui n'est pas forcément évident, où on peut être aidé par l'entourage, par des thérapeutes, mais aussi, j'ai remarqué que souvent, c'est un petit peu quand c'est trop tard, quand les émotions s'accumulent, qu'il y a des débordements, des malaises, des maladies, que là, on prend conscience. Vous savez, des fois, j'ai l'impression que le corps s'exprime plus que notre capacité à verbaliser. C'est pour ça que je vous ai mis... est-ce qu'il est assez gros, le dessin que je vous ai partagé avec les émotions négatives dont parlait Jacques, qui correspond à la deuxième personne, à la deuxième partie du deuil? Oui. Ouais, oui, vous voyez bien. Là, on ne le voit pas. Il faut que tu remettes le partage, mais tout à l'heure... Alors, je n'ai pas mis le partage, pardon. Alors, du coup, je vais vous refaire ça. Du coup, pour pouvoir illustrer voilà, cette partie qui est importante. La deuxième partie du deuil, l'expression des sentiments. Allez, je vais zoomer. Hop. Merci, voilà. Claire. Comme ça, on est bien? Ouais, puis plein écran, ça sera encore mieux. Alors, plein écran. Ouais, en haut à droite, tu peux le faire, je pense. Non, je sais pas. Non. C'est alors, total. C'est peut-être... Bon, après... Pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, dans cette partie, on comprend que certaines émotions vont s'accumuler. La première des choses, c'est les poumons, la tristesse, cette tristesse qui nous affecte tous, hein, très clairement, et qui, du coup, après, on a les reins, la peur, la frayeur, le foie, la colère, la frustration, le cœur, la haine, la patience, la rage, l'inquiétude et l'anxiété. Là, je vous ai juste lu l'impact des émotions sur les organes, mais il y en aurait beaucoup à dire, beaucoup à décortiquer, beaucoup à analyser aussi, parce que c'est là où on va rencontrer ce qu'on appelle des blocages inconscients, où on va avoir des espèces de rétention d'émotions qui, tôt ou tard, vont vouloir s'exprimer ou vont ressortir, mais pas forcément de manière consciente. Je pense que ça dépend de notre culture, notre personnalité, notre éducation, notre entourage aussi. Hein. Si on n'a pas d'oreille attentive, c'est dur de se sentir écouté. Et je rajouterais aussi que le deuil pour les animaux, je trouve qu'il est particulièrement difficile à faire parce que pour beaucoup de personnes, les animaux n'ont pas d'âme, sont juste des présences. Mais du coup, beaucoup de monde ont du mal à comprendre l'importance du deuil et l'importance de la tristesse quand on perd un de ces animaux qui est proche. Et du coup, ça me semblait important de dire que quand vous perdez un animal, eh bien, il y a aussi tous ces conseils que vous donne Jacques ou que je vais vous donner par la suite pour pouvoir libérer tout ça, pour pouvoir digérer. Et le premier qui vient compléter ce que nous a dit Jacques, c'est trouver un exutoire personnel. Trouver quelque chose qui permette de vous libérer émotionnellement. Qui permettent, parce que Jacques, en plus, tu disais, dans notre société, nous, les Français, on est très mentaux, mais c'est vrai, on voit aussi beaucoup de personnes qui vont du coup avoir cette rigidité, mais aussi cette force mentale qui va un petit peu déconnecter de l'émotionnel. Ça, on est tous capables de le faire. Et j'ai mis des années à comprendre que la véritable force, le véritable travail commence à partir du moment où on commence à accepter ces émotions, accepter de vivre ce que je vais appeler une vulnérabilité, ce être vulnérable. À un moment donné, les étapes du deuil vont entraîner aussi, après le choc et le déni, une fatigue qui peut être passagère, une digestion émotionnelle. Ça va entraîner aussi beaucoup de... Bon, ça dépend des personnes, hein, mais des complications au niveau de la gestion du travail, avoir la tête
des difficultés de concentration, par exemple. Hein. On l'a tous vu, hein, quand on perd quelqu'un, on n'a plus les idées claires et du coup, on est vraiment accaparé par ce deuil. Et ça, je trouve ça tout à fait cohérent et légitime. Du coup, il y a des techniques qui existent. Ça peut être la libération par la peinture. Pour les enfants, ça peut être l'expression par l'art aussi. Hein, tout type d'émotion, hein. C'est bien pour ça qu'il y a des thérapeutes spécialisés. Moi, par exemple, ça a été le sport, ça a été les sports de combat. C'est un exutoire qui m'a permis vraiment de me défouler physiquement et aussi écrire. J'ai beaucoup écrit, comme tu disais, Jacques, aussi, écrire, pas seulement positif, le négatif. Moi, c'est beaucoup du négatif que j'ai eu à expulser, bien sûr, avec beaucoup de colère et de tristesse, parce que ça s'est passé dans des conditions vraiment... difficile. Et du coup, l'idée, c'est chacun d'entre vous qui nous écoute ce soir, si vous sentez que vous êtes encore bloqué, si vous avez encore des émotions, ce qu'on appelle des émotions récurrentes. Une émotion récurrente, c'est quoi ? Eh bien, c'est une des phases du deuil qui va marquer en profondeur nos journées. Je vous donne un exemple. Moi, beaucoup de mes journées... Quand j'avais 18 ans, je suis rentré en dépression assez profonde et c'était des journées très, très tristes. Je n'avais pas le sourire. J'étais accaparé par cette émotion récurrente qui est la tristesse. J'étais plongé dans cette dépression où je n'avais plus le goût de vivre. Allez, je trouve qu'elle est importante en plus, cette phrase. Je n'avais plus le goût de vivre. Cette notion d'écrire, c'est un acte individuel. C'est un acte qui peut se faire aussi en étant aidé. Et j'ai envie de dire aussi, la technique que vous avez conseillée, Jacques, elle peut aussi aider à libérer progressivement ce qui constitue un petit peu nos sacs émotionnels. Ces sacs émotionnels, eh bien, ça constitue, comme je vous le disais tout à l'heure, des émotions récurrentes, des choses qui sont un petit peu tellement intenses qu'on n'arrive pas à les digérer d'un coup. Donc, on a la colère, la culpabilité. La culpabilité qui est une des phases de deuil aussi qui est délicate. La culpabilité, c'est un sentiment que je connais très bien. C'est un sentiment d'impuissance, de n'avoir pas pu sauver la personne, d'avoir pas fait tout ce qu'on aurait pu ou de refaire des scénarios dans sa tête. Cette phase-là, elle est très difficile puisqu'on entretient, et c'est là où le mental prend le dessus, on entretient un scénario dans sa tête où du coup, on se victimise quelque part, on se fait du mal. Et c'est là où on se fait vraiment du mal parce que la culpabilité, c'est un phénomène qui, du coup, va vraiment nous impacter en profondeur. Et cette culpabilité-là, elle a créé chez moi, par exemple, l'envie de devenir thérapeute parce que je n'ai pas pu sauver ma mère. Ça, c'est le côté positif. OK, maintenant, je suis devenu thérapeute à 22 ans, je me suis formé aux techniques énergétiques. Mais il y a aussi la contrepartie, c'est que, étant donné que la culpabilité, je ne l'ai pas vraiment digérée, j'ai essayé un petit peu de sauver les autres. Et donc, du coup, eh bien, inconsciemment, j'ai nourri ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est quoi ? C'est un syndrome qui fait que je me suis pris pour un sauveur. J'ai cru que j'allais pouvoir régler cette culpabilité en aidant les autres, ce qui est totalement faux. On peut le croire un temps, mais par contre, le jour où on ne peut rien faire pour quelqu'un qui a un cancer, qui a des lourdes pathologies, eh bien, c'est là où ce sentiment d'impuissance y ressurgit. Et ça, c'est dur. C'est vraiment dur, cette culpabilité. D'ailleurs, j'ai vu passer un message de chat là-dessus, sur cette culpabilité. Et pour ça, comment fait-on ? Comment fait-on pour avancer dans ces émotions difficiles ? Comment fait-on pour, du coup, pouvoir dépasser tout ça ? Eh bien, du coup... On va se servir de, je pense qu'il est à peu près à chaque page de ce dictionnaire, on va se servir de l'énergie la plus puissante dans l'univers, qui est l'énergie. Quelle est l'énergie la plus puissante dans l'univers ? L'énergie du cœur, bien évidemment, cher Kepler. Oui. Et donc, c'est l'énergie d'amour. Oh. Et c'est l'amour pour soi. C'est l'amour aussi pour nos proches qui, franchement, depuis le temps que je suis médium, ça va faire un peu plus de 10 ans, je me rends bien compte qu'il n'y a aucun défunt qui, du coup, continue à en vouloir, sauf quelques rares expressions, quand il y a eu des manipulations, du chantage ou ce genre de choses, mais en général, c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans la lumière.
Donc, cette culpabilité-là, du coup, ça va être important de pouvoir faire comme un rituel de pardon, un rituel où on va pouvoir travailler. Le travail sur soi, je vous l'ai dit dès le début, je vous le redis encore, ça me paraît un des moteurs les plus importants pour pouvoir avancer dans ces étapes de deuil. Et du coup, la leçon, moi, j'ai tirée il y a des années, c'est un deuil, je peux très bien le subir toute ma vie. Je peux très bien rester en dépression. Je peux très bien rester aussi dans mes compensations, hein, parce que du coup, moi, je suis du Nord, et donc dans le Nord, on compense beaucoup avec l'alcool, mais pas que. Bon, c'était assez rock'n'roll. Et du coup, eh bien, cette notion de pardon, elle peut se faire avec ce rituel d'amour pour soi. C'est un rituel qui peut se faire... vous avez par exemple une méditation qui est sur mon site et qui, du coup, on apprend à se pardonner. Pardonner, c'est vraiment un geste d'une grande importance qui permet de digérer cette culpabilité, parce que la culpabilité entraîne énormément de comportements déstructurants et je dirais nocifs. La culpabilité, par exemple, naît le phénomène de sabotage. Les choses qu'on ne réussit plus, on se fait du mal, on se prive de ses opportunités, par exemple. Eh bien, ça me paraît important. Du coup, si vous avez envie de la faire, je vais vous mettre le lien. Vous allez sur mon site qui apparaît en bas de mon nom et vous allez à la partie média et ça s'appelle S'aimer. C'est une méditation que j'ai créée avec mon deuxième livre qui s'appelle Comment coopérer avec l'univers. Et je me suis rendu compte, parce qu'avec toutes les étapes de deuil que j'ai passées, à un moment donné, si on n'a pas cet amour pour soi, si on ne nourrit pas ce réservoir d'estime, s'il dépend aussi beaucoup de nos attentes, parce qu'en général, nos proches, c'est eux, notre réservoir d'amour, eh bien du coup, on va rester un petit peu prisonnier de ce manque d'amour et donc de ce manque affectif, hein, mais pas seulement. Et donc pour ça, c'est important de trouver ce levier, cette motivation, cet amour, comme le fait d'accepter de recevoir de l'aide, par exemple. Ça me paraît super important. Ça, c'est la première chose, et je pense que quand je suis devenu thérapeute, pas du tout par hasard, mais quand je me suis confronté à ce phénomène assez difficile, qui est le syndrome du sauveur, au départ, c'est un sentiment de surpuissance. Sentiment de surpuissance avec... je me suis formé au Reiki en 2006, je me suis formé au Karuna, je me suis formé aussi aux techniques d'IET dont je vous parlerai après, voilà, en hypnose aussi. Et du coup, ça a nourri en moi un sentiment de pouvoir sauver avec des outils, pouvoir aider, ce qui est totalement faux. Et je suis resté beaucoup bloqué dans cette étape de deuil. Voilà, je vous partage ma vie perso parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'expliquer que ce que j'ai appris et compris par l'expérience. Je l'ai aussi compris avec un livre. Alors, je suis allé voir des thérapeutes. Je vous dis, oui, c'est important d'être aidé. Ok, je suis allé les voir. Sauf que il y a un truc qui n'allait pas quand j'allais voir ma psy, c'est qu'elle m'écoutait, mais elle ne m'aidait pas à me comprendre. C'est quoi la différence? C'est-à-dire que, en fait, moi, quand je m'exprime, en plus, j'avais 20 ans, j'avais besoin de comprendre pourquoi je vivais ça, ça ou ça, et comment je devais faire pour avancer. Et je n'avais pas les clés. Elle passait clair de son temps à avancer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai acheté un livre qui s'appelle « Aimer, perdre, grandir, assumer les deuils et difficultés de la vie » de Jean Monbourquette. C'est, je vous l'ai mis dans le chat privé, comme ça vous avez les références. Voilà, super. Et ça, c'est un livre qui m'a énormément aidé, qui m'a aidé dans la notion de le travail sur soi, la remise en question, comment faire pour passer les étapes, qu'est-ce que j'entretiens. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que je nourris au quotidien? Comment je me sens aujourd'hui? Quelle est mon émotion dominante? Et je peux vous dire que pendant des années, ça a été plutôt une tristesse profonde, une anxiété, mais aussi une peur, mais aussi une colère. Et bien du coup, ce rituel de pardon que je vous ai évoqué, et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, quand on lit le dictionnaire de Jacques, on a la partie analyse des émotions, mais aussi on a la partie comment guérir. Et à chaque fois, on a ce petit cœur. Et ce petit cœur, il est super important parce que le cœur, hein, l'énergie la plus puissante de l'univers, c'est bien l'énergie d'amour. Ce chakra du cœur, eh bien, c'est là où passe la guérison. Et quand on regarde et quand on analyse à chaque fois, eh bien, ça passe
du coup, par ce petit symbole du cœur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Jacques, s'il te plaît? Alors, le symbole du cœur, il est mis, bien sûr, à chaque fois que le mot cœur apparaît, hein, pour mettre un peu de visuel dans le texte. Mais il y a le symbole de la flèche vers le bas avec le cœur apparaît à chaque fois qu'il y a le mot « accepte » ou « j'accepte » ou « j'accepterai » ou « il faut accepter ». Et parce que ce qui est important, c'est « j'accepte ». OK? « J'accepte dans mon cœur ». Et « accepter », ça ne veut pas dire que je suis d'accord. « Accepter », ça veut dire « j'accepte que j'ai une prise de conscience à faire hein? ». Parce que dans un processus de guérison, par exemple, quand quelqu'un vit une situation de viol, il doit passer par le processus d'acceptation. Ça ne veut pas dire que la personne est d'accord. La personne accepte qu'elle a quelque chose à comprendre, mais pas comprendre dans la tête, comprendre dans le cœur. Donc, c'est pour aider à visualiser l'acceptation qui passe de la tête vers le cœur. Alors, c'est expliqué au tout début, là, avant la préface et tout ça. C'est expliquer le symbole de l'acceptation au niveau du cœur. Une fois que c'est accepté, dans le livre « Les cinq étapes pour parvenir à la guérison », une fois que c'est accepté, c'est intégré. Une fois que c'est intégré, c'est guéri, tout simplement. Mmh. Que ce soit une émotion ou quelque chose d'autre, la guérison doit passer par l'acceptation. Mmh. Et c'est une des cinq étapes pour parvenir à la guérison que je mentionne dans le livre. Les cinq étapes étant la connaissance, l'ouverture, la connaissance, l'ouverture, l'acceptation et la guérison. En tout cas, il y a cinq étapes là. Et puis voilà, mais c'est ça. C'est une fois que c'est accepté, c'est guéri. C'est non seulement c'est guéri, mais c'est guéri, mais c'est conscientisé. Là où j'ai l'impression d'avoir vécu une situation où il y avait un manque d'amour. J'ai pas dit qu'il y avait pas d'amour. J'ai dit qu'il y avait. J'ai interprété qu'il y avait un manque d'amour. Mm-hmm. Je remets l'amour dans la situation et je fais la prise de conscience qui va avec. Et j'en suis libéré. Voilà. Mm. Mm. C'est justement la question que je voulais poser entre la conscience et l'inconscience quand tu vas venir écrire ces mots, quand tu vas vouloir les vibrer syllabe par syllabe. Est-ce que là, on est dans un travail plutôt conscient et en même temps inconscient? C'est les deux. Du cœur. Voilà. Les deux. Mm. Ça fait les deux. Mais c'est, okay. surtout que ça permet de se brancher. Quand je fais syllabe par syllabe, ça fait vibrer au niveau du cœur et ça fait vibrer mes émotions. Et si je vais plus vite, à un moment donné, disons que j'ai une ligne. J'ai une ligne, puis j'ai une émotion qui est ici. La ligne continue. Si je vais plus vite, là, dans la ligne, je passe la ligne, puis si je vais plus vite une syllabe, je vais passer par-dessus l'émotion. Mm-hmm. Si j'ai une bille et je vais lentement, lorsque j'arrive où est l'émotion, je vais rentrer dedans. Et l'émotion va se manifester. Et souvent, ça arrive parfois, les gens, ils savent que l'émotion s'en vient. Alors, ils vont parler plus vite pour ne pas avoir à vivre l'émotion. Quand je vis les émotions, quand j'intègre les émotions, quand je suis dedans, OK, il y a une intégration qui se fait, il y a une prise de conscience qui se fait. Il y a une libération qui se fait automatiquement. Donc, il y a des gens, parfois, pas tout le monde, mais parfois, qui ont guéri leur maladie juste en faisant ça. Parce qu'ils ont libéré l'émotion qui était à la source du conflit qui a amené la maladie. Mm-hmm. Mais je ne peux pas dire aux gens, si vous dites comme ça, vous allez guérir nécessairement. C'est faux, là. C'est faux. Là. Bien sûr. Ça ne peut pas. Mais il y a des choses qui sont arrivées assez exceptionnelles que c'est possible. Et ça revient à ce que disait Clotaire, hein, sur la digestion, sur le fait de laisser traverser ses émotions, au bout du compte, laisser les intégrer. Et s'en libérer. Mmh. Et c'est une façon de remettre l'amour dans une situation où j'avais interprété, j'ai bien dit, interprété, un manque d'amour. Wow. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour. J'ai interprété qu'il y avait un manque d'amour. Moi, si mon père me battait quand j'étais jeune, moi, j'avais interprété qu'il y avait un manque d'amour. Mais ça faisait partie de son éducation qu'il avait eue lui-même auparavant. Bien sûr. Hein? Que pour donner une structure, que son enfant soit
bien centré sur des choses et bien fonctionnel. Il fallait passer par là. Donc, c'est pas qu'il ne m'aimait pas. Mais moi, j'ai interprété qu'il ne m'aimait pas. Bien sûr, on a tous besoin de cet amour. Une fois que la guérison s'installe, ben voilà, on comprend. On en est libéré. On en est libéré. Et les cas que je trouve le plus... Moi, que j'ai fait, sont le plus exigeants, je trouve, c'est les cas de viol. Une fois qu'on a remis l'amour dans la situation, ben la personne en est libérée. Là. C'est juste... Excusez, ceux qui ne sont pas libérés, là, mais... C'est un événement comme un autre qui s'est passé. Plus, quand c'est guéri. Quand c'est guéri, c'est ça. Ah non, quand c'est pas guéri, c'est pas la même chose. Là. Mais quand c'est guéri, c'est pas grand-chose. Au contraire, c'est quand c'est guéri. Est-ce que les gens qui ont vécu ça, là, me comprennent bien, là? Parce que ça peut faire réagir. Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est pour reprendre ce que disait aussi Clotaire quand il disait qu'il y avait des récurrences. S'il y a des récurrences, c'est que ce n'est pas guéri. Parce que là, on a des questions effectivement autour de ça. On en reviendra. On va répondre aux questions après. Mais je peux avoir fait un bout. Hein? C'est comme la pointe d'un iceberg. Hein? Je peux vivre, par exemple, du rejet. Hein? Je fais un atelier, je prends une technique, tout ça. Et je guéris une partie du rejet. J'enlève un morceau de l'iceberg. Mais, mon Dieu, je suis content d'avoir suivi ça ou d'avoir... Et là, à un moment donné, ben, parce qu'il y a un morceau de partie, il y a un morceau qui remonte. Là. Et le rejet est encore présent. Mais là où ça me prenait 3 jours à m'en remettre, peut-être que maintenant, ça me prend juste 2 jours à m'en remettre, parce que le morceau a diminué. Et là, je travaille et j'enlève un autre morceau, ainsi de suite. Et des fois, il y a un travail qui a été fait effectivement, mais qu'on n'a pas fait au complet. Et il y a une chose aussi, il faut que j'écoute mon corps. Parce que si j'ai un morceau très, très, très grand à libérer, tout changement est un stress. Si je libère tout d'un coup un très, très, très grand changement, ça peut bouleverser, même si c'est positif. Comprends-moi? Quelqu'un peut devenir millionnaire du jour au lendemain, il va faire une dépression. Et pourtant, ce n'est pas un événement malheureux, mais le changement est trop grand pour la personne. Bien sûr. Donc, des fois, ça se fait étape par étape, et on voit que ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, et on continue, ça va mieux. À un moment donné, par exemple, le rejet, je donnais comme exemple, « Ouais, ben non, je me sens plus rejeté, ça va, je suis OK. Ouais, ben, il pense ça, il a le droit de penser ça. Moi, je me sens bien. Je me sens bien avec moi, c'est tout, c'est réglé. » Alors, du coup, ça, c'est une façon dont tu nous présentes qui est très chouette, parce que du coup, ça induit la notion de pouvoir guérir des conséquences, des maladies. Ça implique aussi la notion de pouvoir être libéré instantanément. Mais du coup, moi, je vais travailler sur un autre domaine qui, dans mon histoire personnelle, m'a beaucoup aidé. C'est, j'ai pas trouvé d'oreille attentive ou j'ai pas trouvé de solution qui me permette de libérer mon deuil auprès des thérapeutes. Moi, je l'ai trouvé à travers la médiumnité. Qu'est-ce que c'est la médiumnité? Eh bien, au départ, je savais pas ce que c'était. J'avais 21, 22 ans. Et puis, du coup, j'ai entendu parler de personnes qui, on appelle des spirites, des médiums, qui, à travers des photos, se relient à l'âme de la personne pour transmettre des messages. Donc, j'y suis allé par curiosité, mais aussi par besoin, je pense. J'avais besoin, étant donné que j'ai eu beaucoup de conflits. J'ai interprété. Hein. Je vais essayer vraiment de me recapituler. Je fais attention. Ouais, mais, hein. Voilà, j'ai interprété, oui. Je te félicite, Lothaire, parce que c'est toute la différence. C'est toute la différence, mais bon, voilà, mais c'est ça. Continue. Okay, oui. Donc, j'ai interprété ce conflit non résolu comme quelque chose d'impossible à surmonter. En gros, je me disais dans ma tête, tant que je n'ai pas résolu ce conflit, je ne peux pas avancer puisque je n'arrive pas à pardonner à ma mère. D'accord ? Parce qu'entre la théorie et la pratique, on vous dit des choses, ouais, ok, ça paraît accessible, sauf que derrière, nos motivations inconscientes, nos blocages, et surtout moi, j'étais bloqué dans une étape du deuil avec une grosse colère à libérer. Eh bien, en allant voir ce médium-là, il m'a commencé, c'est la première photo qui est sortie, c'est celle de ma mère. On m'a dit, tiens, elle a envie de parler parce qu'elle est partie difficilement, il y a beaucoup de choses dont dit. J'ai dit, ah, oui, ça, c'est vrai. Il a commencé à raconter un petit peu l'histoire de ma mère. Elle était entourée avec des livres, tout ça. J'ai dit, ouais, donc ça, elle ne peut pas l'inventer. Et il m'a transmis surtout un message qui est de l'importance
de savoir que ma mère ne m'en voulait pas. L'importance de ces mots, hein, thème de la conférence est bien guérir ces mots. Avec les mots, quand j'ai entendu ça, ça m'a libéré, mais vous imaginez pas à quel point ça m'a soulagé d'un poids, parce que c'est cette notion de ma mère ne m'en veut pas, j'ai pas pu la sauver, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes moyens, j'ai interprété ça comme une situation où clairement j'aurais pas pu agir autrement. Je vous le dis avec du recul. Et du coup, eh bien, le fait d'entendre ça à travers un médium m'a permis d'avancer. Et pour le petit clin d'œil, il m'a dit « Oui, là, pour l'instant, vous êtes jeune, mais un jour, vous ferez pareil. » Là, je le regarde, je lui dis « Ouais, c'est ça. » Alors, imaginez-vous à l'époque, comme dit Van Damme, quand j'étais jeune, j'étais très con, je suis resté très jeune. À l'époque, j'étais rock'n'roll, puis... à avoir plus de bouteilles d'alcool à la maison que de livres de Jacques Martel. Hein. Pourtant, il en a écrit 13. Ça a changé. Ça a changé sur... Ouais, ça a changé sur plein d'aspects. Et c'est cette notion qui me semble importante, c'est la notion de survivance de l'âme, et c'est aussi la notion de pouvoir régler des conflits à travers la médiumnité. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur ce soir, parce que dans ma petite histoire de vie, si je n'avais pas connu cette épreuve, je ne pense pas que je serais devenu médium et que je le ferais de manière professionnelle. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu besoin, un besoin viscéral, de dialoguer avec ma mère. Mmh. Eh bien, cette étape-là, lorsque ce médium a libéré cette culpabilité en disant « Ta mère ne t'en veut pas, tout va bien », eh bien du coup, c'est pas pour ça que j'ai libéré ma mère instantanément. Je vous explique. Il y a un phénomène qu'on expliquera quand on fera avec Sana une conférence sur « Êtes-vous des passeurs d'âme ?» Êtes-vous des passeurs d'âme, c'est le 3 mai 2022. C'est la notion de passage d'âme, mais c'est aussi une notion que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'est lorsqu'on perd nos êtres proches, ils peuvent choisir consciemment d'aller vers la lumière, vers des plans lumineux, les plans divins, mais aussi ils peuvent rester bloqués dans des états intermédiaires. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai retenu ma mère pendant quelques années. C'est simple. Elle est décédée le 26 octobre 2002. Et c'est en 2009 que je l'ai libérée, donc 7 ans après. 7 ans de travail, 7 ans de remise en question, 7 ans aussi d'influence des émotions sur ma pensée, sur mon chemin de vie. Mais aussi, ça c'est la partie sombre que je vous raconte, c'est la partie, comme disait Jacques tout à l'heure, la partie émergée de l'iceberg. Oui. Mais la partie immergée, la partie profonde, c'est que du coup, j'ai fourni énormément d'efforts et d'énergie pour comprendre et pour dialoguer avec ma mère jusqu'au jour. Où, bien sûr, ça marche, l'écriture intuitive. Bien sûr que j'étais sûr que c'était elle, puisque je la reconnaissais dans son énergie. Et un jour, elle m'a dit, voilà mon fils, maintenant, tu m'as transmis, je t'ai transmis, pardon, ce que tu avais besoin de comprendre, tu seras toujours mon fils, je t'aimerai toujours. Mais maintenant, il est temps que je poursuive mon chemin. Ça veut dire quoi, poursuivre son chemin? Eh bien, elle m'a dit, eh bien, du coup, avec tes émotions non digérées, avec la colère que tu as nourrie envers moi, avec cette culpabilité, eh bien, tu as fait ce qu'on appelle des griffes émotionnelles. Alors, c'est une image, mais c'est très parlant. Une griffe émotionnelle, en fait, c'est un petit peu moi qui la retenais. Je la retenais quelque part, je l'ai empêchée de monter vers la lumière, je l'ai empêchée de la laisser partir. Et du coup, elle m'a demandé, gentiment, avec tout son amour, elle m'a dit, ben voilà, est-ce que tu peux maintenant me libérer émotionnellement? Alors Jacques, quand il vous raconte ça, ça paraît super facile de libérer, machin, on fait ça instantanément. Eh ben, imaginez un petit peu la peur que j'ai ressentie, la peur de libérer ma mère, parce que une vie d'orphelin, c'est comme une vie où mon pilier, c'était ma mère. Donc, du coup, c'est un petit peu me retrouver avec une situation comme j'ai interprété avec un gros manque d'amour. J'ai vraiment interprété ça comme ça. Et en fait, non, pas du tout. Avec le recul, j'ai pris conscience que libérer nos défunts, libérer nos proches à travers le travail du deuil, hein, c'est bien de cet aspect-là que je vous parle, eh bien, c'est le plus beau cadeau d'amour qu'on puisse faire, à la fois pour soi, mais à la fois aussi pour nos proches.
Alors oui, c'est difficile de les laisser partir. Et oui, il y a du travail, il y a des étapes, et des fois, on a du mal à le faire. Mais par contre, quand j'ai accepté de laisser partir ma mère, et c'est là où j'ai fait mon premier passage d'âme, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était, ni un passeur d'âme, ni un passage d'âme, et bien du coup, après le vide, j'ai ressenti une paix et un sentiment, mais de libération. Mais une libération qui fait que je n'ai plus eu besoin de pleurer. Je n'ai plus eu besoin d'aller sur sa tombe. J'ai arrêté de penser à elle tous les jours et j'ai arrêté de faire les choses à travers elle. Vous savez, cette notion de... elle est morte l'année de mon bac, donc j'avais 17 ans. J'ai passé mon bac, je l'ai fait pour elle en fait. Je l'ai fait pour ma mère, je l'ai pas fait pour moi. 7 ans après, je suis allé, j'ai fait une cérémonie. Cette cérémonie, en fait, je vais vous la raconter parce que j'ai libéré ma mère peu après être revenu d'Équateur. J'ai libéré en Espagne. Ma mère m'a dit, prends le temps d'avancer dans tes étapes. Et du coup, si tu veux vraiment honorer ma mémoire, bah, va là où tu as envie d'aller. Et ma mère, un de ses derniers cadeaux d'anniversaire, c'était un livre sur les animaux aux Galapagos. J'ai dû recevoir ça quand j'avais 16 ans. Et du coup, une des étapes finales du deuil, donc là, on a dépassé l'étape l'expression des sentiments, on est dans l'étape un petit peu reconstruction. Et bien, dans l'étape reconstruction, et c'est la partie qui nous intéresse tous ce soir, c'est comment fait-on du coup pour se reconstruire et enfin achever un deuil. Et bien, du coup, moi, je fais un rituel où je suis allé jusqu'au Galapagos. Sur le chemin, j'ai analysé, j'ai ressenti, j'ai écrit. J'ai beaucoup écrit à ma mère en disant, voilà, j'y vais aussi par honneur pour toi, comme un hommage. Et une fois que je suis allé au Galapagos, ce livre, je l'avais avec moi, je l'ai déposé en disant, je dépose mon fardeau. La symbolique émotionnelle, elle est très forte. Je dépose mon fardeau. Ce que j'ai interprété, Jacques, comme un fardeau, mais sac émotionnel et cette culpabilité-là, je l'ai déposé. Et quelques temps après, du coup, j'ai vécu une période assez intense où en Espagne, je faisais ce qu'on appelle du channeling. Donc, je recevais les messages de mes guides, ils m'aidaient beaucoup. Je faisais beaucoup aussi de traitements Reiki. Et du coup, c'est là où ma mère est venue me dire, eh bien, écoute, mon fils, c'est bien tout ce travail que tu fais, mais moi, de l'autre côté, j'aimerais bien aller vers la lumière. Je dis, OK. Donc on y va. Et donc ce passage d'âme, on le détaillera dans une autre conférence parce que ce n'est pas lieu, mais je sais qu'à présent, ça représente la clôture du deuil. La clôture du deuil, on peut y arriver. Et c'est vraiment un message d'espoir que je transmets. C'est OK, ça demande du temps. On est tous d'accord qu'on a besoin de temps pour faire son deuil. Ça demande aussi de la patience. Moi, j'en ai pas de la patience. Donc, enfin, j'en ai un peu, je la travaille, mais du coup, ça m'a quand même pris plus de 7 ans. Et franchement, je trouve ça long avec le recul 7 ans pour faire un deuil. Sachant que, comme a dit Jacques tout à l'heure, si je t'avais connu à 20 ans, tu m'aurais dit, allez, en une séance, je te fais ton deuil, j'aurais dit, mais bingo. Mais en même temps, j'ai aucun regret parce que cet apprentissage, cette connaissance de soi, cette introspection, eh ben, elle a permis du coup une meilleure compréhension, une meilleure connaissance. Et surtout, je comprends aujourd'hui la difficulté qu'ont les personnes quand je transmets des messages de défunt ou quand je fais de la thérapie, du coup, à aider, à dépasser, à verbaliser aussi, hein, parce que certaines personnes ont du mal à mettre les mots, c'est dur. Et pour ça, terminer son deuil, être en paix, ça peut passer par plusieurs phases. Je pense que la phase émotionnelle, ça dépend des individus, ça dépend, comme je le disais, du travail sur soi, de la remise en question, mais ça dépend aussi de l'aide qu'on reçoit très clairement. Parce que un thérapeute, il peut pas aider une personne si elle n'a pas la volonté de s'en sortir, si elle n'a pas volonté d'avancer, c'est évident, hein. C'est bon, j'en suis sorti du syndrome du sauveur, hein. Et c'est ça où la phase trouver un levier émotionnel. Comment faire pour s'offrir cette paix, cette libération. Eh bien, vous pouvez travailler, par exemple, en clôturant le deuil, en dispersant les cendres, si vous avez fait incinérer. Disperser les cendres, bon, vous demandez aussi
là où est-ce qu'ils aimeraient être, que leur cendre. Et en général, il y en a beaucoup qui disent dans la mer, c'était des marins, enfin bref, disperser les cendres, vous pouvez faire ça aussi pour les animaux. C'est une façon de libérer ce qu'on appelle l'attachement affectif, ce que ma mère appelle les griffes émotionnelles, hein, c'est l'attachement affectif. Trouver des solutions aussi. Trouver des solutions, ça va être plus complexe dans la matière. Je vous explique. Trouver des solutions quand on est en plein deuil et qu'on a un héritage au milieu, c'est très compliqué puisqu'on a la matière, on a les obstacles, on a les avocats, on a les juristes, on a l'héritage matériel qui pèse. Et cet héritage-là, eh bien du coup, pour libérer le deuil, et là je vous le dis, mais c'est super difficile à intégrer, il faut réussir à se détacher des éléments qui nous rattachent à cette personne ou qui nous donnent l'illusion, comme dirait Jacques, qui crée un petit peu ce sentiment que les meubles, les objets, les bijoux, les cadeaux, tout ce qui est matériel va représenter la mémoire de cette personne. Et ça, j'ai dû le faire et ça, j'ai eu beaucoup de mal. Et je me rends bien compte que si je n'étais pas passé par là, si on ne passe pas par là, c'est super compliqué. Je pense notamment à un couple je fais des conférences médiumniques, donc je transmets des messages de défunts en direct. Et à un moment donné, je transmets un message de leur fils disparu qui était très jeune, il avait la vingtaine. Et du coup, leur fils, il me montre sa chambre avec des détails, il y avait un petit avion posé, il y avait des posters comme ça. Ouais. Et je lui décris la chambre et je lui dis, mais attendez, pourquoi il me décrit sa chambre aussi précisément? Et là, j'ai les parents qui me regardent en disant, parce que depuis qu'il est parti, on n'y a pas touché. On n'ose pas toucher aux affaires. Et c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai qu'on a ce blocage-là dont je vous parlais tout à l'heure. Et en même temps, franchement, se libérer des biens matériels, mais c'est un sacré soulagement. Puisque la matière, quelque part, elle nous pèse, elle nous encombre. Enfin, moi, dans mon chemin de vie, ça a été le cas. Je vais vous raconter une petite parenthèse. Donc, j'ai hérité de ma grand-mère et de ma mère. Donc, je me suis retrouvé, étant donné que je suis orphelin, j'ai hérité assez vite. Et du coup, à l'époque, j'ai racheté la maison de mes grands-parents en me battant en justice contre mon grand-père. Ouais, j'en ai passé des épreuves. Je me suis battu en justice pour qu'elle ne soit pas vendue et que du coup, on puisse la récupérer. Je vous passe les détails. Et en arrivant dans cette maison, c'était en 2006. Donc, j'ai perdu ma mère en 2002, donc c'était 4 ans après. Et du coup, j'ai voulu la rénover. J'ai voulu la rénover pour rendre hommage à mes grands-parents, mais aussi me reconstruire intérieurement. La symbolique, elle est super importante. En gros, faire table rase du passé, parce que la maison avait été mise avec des scellés. Vous savez, quand on met des scellés, on ne peut pas ouvrir une maison. Ça reste. J'ai ouvert la maison, il y avait encore la nourriture dans les placards, les peignoirs dans la salle de bain, les habits qui étaient accumulés, et ça, c'est difficile. Donc du coup, j'ai fait un nettoyage par le vide où j'ai revendu les objets, sauf que ma tante n'avait pas avancé dans son travail de deuil. Elle était complètement sclérosée à l'idée que les objets, on n'y touche pas et surtout, on ne jette rien et on ne revend rien. Ok ? Deuil figé, deuil non résolu. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là ? Eh bien, quand elle arrivait dans la maison, ce n'était pas une grande maison, mais il y avait deux héritages. Il y avait celui de ma mère et celui de ma grand-mère. Et bien du coup, comme il n'y avait pas assez de place, vous savez ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a superposé les meubles dans la maison. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc imaginez, vous rentrez, un grand salon, et en fait, il y avait une commode. Et par-dessus la commode, il y avait une commode en marbre. Bam ! Voilà un des exemples qui montre que quand on a un deuil non résolu, on fait vraiment des choses complètement incohérentes qui m'ont causé aussi beaucoup de conflits avec elle, forcément. Genre, mais pourquoi tu mets la colonne là-dessus? Mais pourquoi est-ce que tu vas... Mais pourquoi on ne la revend pas, cette bibliothèque? Ah, parce que elle ne voudrait pas. J'ai dit, mais tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce qu'elle... Pensez à cette question. Et là, je vais me tourner vers tous ceux qui se posent, est-ce que mon deuil, il est résolu? Mettez-vous à la place de ceux qui sont dans le delà. Qu'est-ce qu'ils veulent pour nous ?
Mais ils veulent qu'on soit heureux, ils veulent qu'on soit en paix, ils veulent qu'on soit bien. Et franchement, les meubles, les bijoux, il y en a plein. Et c'est, franchement, ça m'arrive. Et j'ai souvent une petite pensée pour mon histoire de vie. J'ai, par exemple, une personne dans une séance médiumnique, elle avait une mamie portugaise qui, du coup, avait 7 sœurs. Et du coup, il y en avait beaucoup qui étaient au Portugal et d'autres en France. Elle ne savait pas comment disperser les choses. Et du coup, il y avait un héritage bloqué. Mais quand je vous dis bloqué, ça veut dire que dans la loi, il y a un article qui dit que nul n'est censé rester dans l'indivision. Ça veut dire qu'en gros, s'il n'y a pas un choix unanime, il y a une indivision, on ne trouve pas de levier ou d'accord commun. Dans ces cas-là, ça part en justice. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça dure des années. D'accord ? Donc, je laissais la mamie s'exprimer. Elle disait un truc qui, je trouve, il faut avoir un certain culot et un certain niveau de conscience pour dire ça. Elle a dit, vous savez quoi, mes enfants ? Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour savoir qui veut tel calulier, parce qu'un tel veut celui qui a la croix, un tel veut récupérer la commode et tout. Vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez tout revendre et ensuite, vous allez partager l'argent en 7 parts équitables. Voilà ma volonté. Eh bien, je peux vous dire que quand vous dites ça, la personne qui était au téléphone, je l'avais en visio, ouais. Ça lui met un sacré choc, une sacrée claque. Mais en même temps, on se rend bien compte que de l'autre côté, tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il y ait justice et équité. Mmh. Mmh. Ben oui. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qui est important. Bien sûr. Et c'est ça aussi qui permet d'avancer. Je reviens un peu sur une petite parenthèse. La libération émotionnelle, elle peut se faire aussi à travers des outils énergétiques. Moi, j'en ai créé un. J'ai dû faire 4 ou 5 deuils dans ma vie. C'est un livre qui s'appelle « Manuel de formation de la pratique Reiki au métier de thérapeute ». Oui. Et dans cette partie-là, on t'avait accueilli, yes. On t'avait accueilli sur la chaîne. Ouais. Pour tout à fait. Ben oui, c'était il y a 3 ans. Et du coup, j'ai créé ce rituel de deuil parce que justement, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Et parce que avec le Reiki, donc le Reiki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique de soin par apposition des mains, où le Reiki, c'est, on peut dire, une énergie sacrée de bien-être et de guérison chargée d'amour. Et avec le Reiki, on a des outils. Et ces outils, par exemple, permettre au deuxième niveau d'avoir des symboles, et des symboles vont pouvoir apaiser, renforcer ou travailler à distance. Et ce symbole de travail à distance, ça a été un des plus importants, un des révélateurs, parce que franchement, je pense qu'on peut aussi faire le deuil par soi-même avec des outils appropriés, tels qu'on a dans les livres de Jacques ou tels qu'on a dans ce manuel, mais aussi, vous pouvez aussi trouver des outils de libération. Sur, il n'y a pas que le Reiki, il peut y avoir l'Aochi, il peut y avoir les bardes, à travers l'hypnose, Sana, parce que tu es nouvellement hypnothérapeute, d'ailleurs, je voudrais faire encore, la petite parenthèse, encore, mais bientôt. Encore. Oui, mais il va y avoir tellement de replays que Sana va prendre officiellement sa place en tant qu'hypnothérapeute, donc j'en profite pour te dire déjà que tu feras une super thérapeute, parce que Merci. La raison principale qui pousse à devenir thérapeute, je pense, c'est l'envie d'aider les autres, et c'est des qualités d'écoute et de bienveillance que toi tu as déjà, donc ça tu la prends pas en formation, et c'est ça qui fera que tu vas aider beaucoup de personnes en hypnose, et je te le souhaite. Merci Clotaire, ça me fait beaucoup. J'avais pas prévu. Ben non, mais c'est normal. Mais attends, mais Sana, t'es toujours en train de mettre les gens en valeur et en lumière. Alors, c'est aussi important que toi aussi, tu sois mise en lumière. Eh bien, merci. Ah, merci du cœur. Merci à toi, Clotaire. OK. Donc, du coup, oui. À chacun de trouver ses outils, ses outils qui lui correspondent, à chacun aussi d'aller puiser. Avec ce qui lui parle, ce qui lui correspond. Moi, une technique que j'aime beaucoup, c'est l'IET. Est-ce que vous connaissez ? Alors, je crois que, peut-être dans le chat, j'ai cru voir passer peut-être ça. Mais dis-nous, moi, je ne connais pas. L'IET, je ne sais pas, peut-être. Annelise, tu connais ? Non, je ne connais pas. Par contre, Clotaire, il y a juste une petite question pour toi par rapport au livre pour le Reiki. Oui. Si tu veux le redire, le titre. Alors, ça, je vais le mettre là. C'est un livre que j'ai écrit
en 2019. Ça s'appelle « De la pratique Reiki au métier de thérapeute ». Et c'est un livre qui permet de comprendre, qui s'adresse à la fois aux thérapeutes, mais aussi aux personnes qui ont envie d'utiliser les outils de Reiki, mais pas que, pour pouvoir s'installer et vivre de leur métier passion. Merci. Étant donné que je suis passé par là, bah du coup, voilà, je vous transmets les étapes, donc je vous ai mis les références, et il se trouve sur mon site guidespirituel.fr, comme ça, je vous fais une petite dédicace. Il est mis ton site, yes. on avait mis le lien. Alors, peut-être juste avant que tu enchaînes, j'aimerais vraiment avoir l'avis de Jacques sur ces aspects matériels, tu sais, que tu as vraiment bien décrit avec de belles références qui marquent. Comment tu travailles avec ça dans le deuil, le côté matériel des choses, garder les grandes commodes entassées, comment tu vois les choses, Jacques? Je voudrais donner un exemple. Un exemple qu'une personne exprime dans une vidéo. Dans la vidéo du livre « La technique des petits bonshommes allumettes », une vidéo qui a été faite sur le livre, hein, où il y a moi, Lucie Bernier, Robert Langen et une animatrice qui nous parle. Mmh. Et Lucie a profité de cette occasion pour expliquer que après le départ de son papa, elle vivait une période vraiment triste. Ils sont trois enfants chez elle, quatre, je crois. Elle vivait cette période de façon assez triste. Et elle explique dans la vidéo qu'elle a fait la technique des petits bonshommes allumettes avec son papa. Mmh. Donc, la première fois qu'elle l'a fait, était encore triste, avait des pleurs et tout et tout. Mais elle l'a fait pendant 7 jours d'affilée. Et à mesure qu'elle le faisait, à chaque jour qui passait, la tristesse diminuait, mmh, pour en arriver au fait qu'elle avait ressenti un très grand sentiment d'amour envers son papa comme elle n'avait jamais vécu auparavant. Donc, pour elle, c'était une façon d'accéder à plus de détachement. Et comme l'attachement, ce n'est pas de l'amour, en se détachant, mais ça laisse plus place à l'amour vrai. Donc, elle a connu vraiment cette période de deuil qu'elle a fait, mais pour elle, dans son cas, ça fonctionnait, c'est après l'avoir fait pendant 7 jours. Alors, c'est sûr que souvent, les soucis qu'on vit ou les perturbations que je peux vivre, quand je dis « je », c'est chacun d'entre nous, mm-hmm, c'est relié à l'attachement. Hein? Quand Clotaire mentionnait que les affaires des héritages de grand-mère et de la mère, les bureaux un par-dessus l'autre et tout. C'est de l'attachement. Non, mais c'est parce qu'il y a de l'attachement, là. Okay? Tout à fait. Alors, cette technique-là des petits bonshommes allumettes, voyez-vous, ça vient à quelque part intérieurement de mes vies passées comme moine bouddhiste. Parce que dans le bouddhisme, un des aspects les plus importants, c'est le détachement. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette technique des petits bonshommes allumettes? On fait du détachement. Fait que dans un sens, c'est comme si on enseignait le bouddhisme sans parler de la religion qui va avec, là. Mm-hmm. Mais le détachement, ça n'a pas rapport à une religion en particulier. Le détachement, c'est le détachement. Plus je suis détaché, plus je suis, d'une certaine façon, objectif par rapport à ce qui se passe. Et plus j'ai de chances d'être connecté à l'amour véritable, que ce soit envers une situation, que ce soit envers une personne en particulier. Alors, il faut trouver un moyen de se détacher. On mentionnait tout à l'heure qu'il y a certains rituels qui existent. C'est une façon de se détacher. Voilà. Mais en autant que je trouve un moyen ou une personne qui peut m'aider à me détacher avec certaines techniques, mais si je me détache d'une situation, parce que souvent, on a relié l'attachement à l'amour. Ah, bien, c'est normal que je sois attaché à mon enfant, que je sois attaché envers mon enfant. C'est mon enfant, c'est normal. La meilleure façon d'aimer son enfant, c'est d'en être détaché, de vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui. Sinon, par l'attachement, je crée des liens que je veux, mes préférences deviennent des exigences.
Et ça a des chances de limiter l'autre personne. Alors que si moi, par exemple, je suis médecin, ben, peut-être que je serais intéressé que mon enfant devienne médecin, mais si lui, il aime mieux être mécanicien, puis il est heureux, ben, pourquoi pas? L'important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. C'est pas le statut social que ça peut m'apporter. Alors, le détachement, c'est ça qui est important. C'est très important. Très, très important, et je le souligne mille fois, parce que dans ton rituel, dans ce que tu proposes à travers les bonnes allumettes, derrière, dans ce qu'on dit, lorsqu'on déchire, on coupe ou autre, on garde les liens sains et les liens d'amour. Et c'est important de le dire, que on fait la distinction entre, comme tu le disais tout à l'heure, entre ce qui est de l'ordre de l'attachement et le lien sain, le lien d'amour. L'attachement, ce n'est pas de l'amour, ça, non. Voilà, c'est ça, on fait la distinction. Lorsque je me détache, je mets plus d'amour dans la situation. Oh, on ne t'entend plus, Jacques. Ah, on a perdu la connexion. On essaie de me joindre. Il va devoir revenir. Quand on met plus d'amour dans la situation, ça coupe un peu, Jacques. Une minute, là, Jacques, ça va revenir. Ouais. Oui, ça va revenir, là. Je pense que ça va revenir. Il y a quelqu'un qui essaie de me rejoindre. Quand je mets plus d'amour dans la situation, je suis plus conscient de ce qui se passe. Et la technique des petits bosons allumettes est efficace parce qu'elle agit au niveau du subconscient. Et c'est ça tout le travail à faire dans quelques processus que ce soit. C'est que souvent, les gens... Ça va venir. Tu peux répéter, s'il te plaît, Jacques. Merci. Ben oui, mais là, la personne essaie constamment de me rejoindre. Et des fois, je comprends mon conflit, même au niveau des malaises, des maladies. Je comprends, mais ce n'est pas compris au niveau du cœur. Donc, je reste avec ma maladie. Et pourtant, je dis oui, j'ai compris le conflit, oui, c'est réglé. Mentalement? Oui, j'ai compris dans ma tête, mais je n'ai pas compris dans mon cœur. Donc, comment aller au niveau du subconscient? Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui était en chaise roulante, je ne sais pas si c'était la sclérose en plaques qu'il y avait ou quoi, il dit « Oui, M. Martel, j'ai travaillé beaucoup sur moi, j'ai compris mon conflit, tout est compris. » Je dis « Oui, mais félicitations pour le travail que tu as fait sur toi, mais si c'était réellement réglé, tu ne serais plus en chaise roulante. » Mais ça se peut que je ne m'en rende pas compte, parce que c'est au niveau du subconscient. C'est de trouver une façon de faire le changement au niveau du subconscient, c'est ça qui est important. J'ajouterais aussi que la technique du bonhomme d'allumette, on peut l'utiliser aussi dans plein d'applications, pas seulement pour faire des deuils, mais aussi pour se séparer et couper des liens avec des personnes toxiques et néfastes. Ça marche super bien. Je pense à ma chérie, par exemple, qui a du coup l'emprise d'un PNM, un pervers narcissique manipulateur, et bien du coup, c'est des cauchemars, c'est des angoisses, c'est des choses qui sont encore présentes émotionnellement. Bien, du coup, on a fait la technique du bonhomme d'allumette dimanche. Et c'est vrai que le moment où on coupe, eh bien, il y a une libération émotionnelle qui se fait, qui est vraiment puissante, parce que, comme dit Jacques, ça travaille au niveau du subconscient, mais ça permet aussi énergétiquement de couper l'emprise et les résidus émotionnels. Et ça marche super bien. J'ai utilisé aussi personnellement les bonhommes d'allumettes pour couper avec des parties de moi que je ne voulais plus. Genre la partie de moi qui boit un peu trop. Je n'ai pas dit alcoolique, mais genre la partie de moi qui adore tellement faire la fête, qui du coup s'en met une bonne couche. Et bien, à un moment donné, en Espagne, j'ai vécu quelques années en Espagne, et je pense que ça m'a induit un comportement assez dépendant à l'alcool. Et bien, du coup, j'ai fait un bonhomme d'allumettes pour couper avec l'alcool. Eh bien, c'est pas mal, mais ça ne remplace pas la force mentale, hein, et ça ne remplace pas le comportement sain, et du coup, le fait de s'éloigner de ses dépenses. Mais c'est un ensemble de choses qui montre aussi que le bonhomme d'allumettes, avec de la volonté, de la détermination, c'est toujours pareil, hein, c'est pour une implication personnelle, eh bien, ça fonctionne très bien. Et dans le livre, Clotaire, il y a 200 exemples, c'est pour ça qu'on réfère le livre, il y a 200 exemples sur plein de choses. Alors, on a une vidéo qui explique bien comment faire la technique, mais avec le livre, on a 200 exemples. C'est clair. Annelise, tu as aussi testé les bonhommes allumettes déjà?
Ouais, 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 j'en fais ton expérience. J'en fais depuis vraiment beaucoup d'années. Et des fois, je les refais. Tu n'as pas mis le feu à nulle part, non? Non, jamais. Alors, des fois, j'en refais, tu sais, Jacques, les faire plusieurs fois. Est-ce que c'est utile, genre 3 ans après, tout ça? Oui, mais c'est comme passer la balayeuse à la maison. Est-ce que là, si je la passe une fois, c'est suffisant? Oh. Mais en fait, ça dépend chez qui. Hein? en fait, Annelise, tu sais, moi, je ne veux pas mettre de « Ah, ben il faut le faire au moins 10 fois. » Comprends-tu? Là, ouais. je crée un moule que ça ne marchera pas après une fois, après 2 fois, après 3 fois. Mmh. Alors, mais comme j'expliquais tant, Lucie, avec les 7 fois qu'elle a fait pour son papa, ben ça a eu des résultats à chaque fois. Mais je ne veux pas mettre... on le fait aussi souvent qu'on en sent le besoin, ou on le fait aussi souvent qu'il y a encore des émotions. Mais okay. Je ne mettrai pas de quantité. Si après 1 an, si après 2 ans, ben, il y a des choses qui peuvent ressortir en dedans de moi et tout, ben, je le refais. Ça prend 2 minutes et demie, ben, je le fais, c'est tout. Ça n'a aucune conséquence néfaste, au contraire. Si ça me vient à l'idée, ça veut dire que c'est peut-être important que je le refasse, et ainsi de suite. OK. Ben, j'en ai fait tout à l'heure, d'ailleurs. Mais moi, je déchire, je ne coupe pas. Est-ce que ça marche? C'est pareil, le subconscient a enregistré, Annelise, que c'est coupé. Que tu le coupes avec une paire de ciseaux ou que tu le déchires, la coupure, elle est faite. De toute façon, c'est enregistré. C'est enregistré. Ouais. Et c'est parce que toi, dans la vie, tu déchires aussi, tu vois, Annelise. C'est clair. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une petite lata comme ça qui était passée. Bon, ça va, celle-là, elle est gentille. Oui. Ah, super. Bah, attends, elles sont bienveillantes. Merci. Ça... Et faut dire que le papier, combien de fois on m'a demandé qu'est-ce que je fais avec le papier, maman, maman. Ouais. Ah oui. Le papier, c'est un. On se souvient avant l'arrivée d'Internet et des logiciels informatiques et tout. Quand je voulais faire une copie d'une lettre, j'utilisais un papier carbone. Donc, ce que j'écrivais sur ma feuille au-dessus. Ça écrivait en dessous, hein, à cause du papier carbone. Et qu'est-ce que je faisais avec le papier carbone? Ben après, je n'ai plus besoin, je le jetais. Alors, quand j'écris, étant donné que mon cerveau retient 90 % ce que j'écris, ben, ça se trouve être le papier carbone pour mon subconscient. Une fois que c'est écrit, c'est enregistré dans mon subconscient. Donc, j'en fais ce que je veux. Bien sûr. Je le mets dans la poubelle, je l'utilise au WC, je fais ce que je veux, hein. Après, le feu, moi j'aime bien le rituel du feu. C'est un rituel. Après, il y a plein de techniques, hein, mais moi j'aime bien la notion de brûler, la notion de transmuter, la notion, tu vois, de voir un petit peu les choses se disparaître en fumée. En autant qu'on ne fait pas brûler la maison, là. Bah, si tu veux faire le deuil de ta maison. c'est plus les bonnes allumettes, c'est les maisons allumettes. Alors, quand les pompiers arrivent, ben, j'ai fait la technique des petits bonshommes allumettes de Jacques Martel. C'est Jacques qui m'a dit de faire ça. Quand même. Faut pas arrêter à 8 cernements. Hein. Faut se rendre jusqu'à 9 cernements et jusqu'au 10 cernements. Voilà. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Voilà, c'est ça. Ça répond à tes questions, Sana? Tout à fait. Ou Annelise, je ne sais pas, là. Ben, la question également d'Annelise. Oui, OK. Moi, ça répond à ma question. Parce que comme je les mettais au recyclage, le papier, tu vois, je ne le brûlais pas parce que je n'allume pas tout le temps des feux chez moi. Donc, voilà. Je voulais savoir si ça marchait. Tu as des vieux trucs dans ton grenier à faire griller. Je reviens sur la vidéo. Faites la recherche sur la technique des petits bonshommes allumettes. Livre, hein? Pour que vous voyez que la réunion qu'on a ou l'animatrice qui nous parle du livre, vous allez entendre à un moment donné dans le milieu d'entrevue le commentaire de Lucie par rapport au départ de son papa et l'exercice qu'elle a fait et ce qu'elle a ressenti aussi à chaque fois. Mmh. C'est intéressant. Lucie, OK, je vais mettre le lien dans le chat. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Clotaire? Je t'ai peut-être emboîté le pas. Alors, non, il n'y a pas de souci, on prend le temps. C'est un petit peu
Ah, une petite musique pour accompagner. Oui, non, c'est parce que je. Présentation. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, il existe un système qui est un système qui s'appelle l'IET. L'IET, ah, c'est oui. un travail sur l'allègement des charges énergétiques avec les anges. Alors, les anges. Alors, déjà, il faut croire aux anges, mais vous n'avez pas besoin d'y croire beaucoup pour que ça marche. C'est super pratique. Ce système IET, alors, je suis passé par beaucoup de systèmes d'apprentissage. Donc, j'ai commencé par le Reiki, Reiki 1, Reiki 2. Après, j'ai fait le Karuna, j'ai fait l'hypnose. Et depuis que j'ai découvert le système IET, eh bien, je fais que ça. Le système IET, c'est un système de libération émotionnelle. On travaille un petit peu, vous savez, comme le magnétisme par extraction. Donc, imaginez, ça, c'est notre corps énergétique. Dans notre aura, on a des émotions, colère, peur, tristesse, angoisse, culpabilité, les non-dits, bref, toutes les choses qui nous touchent, qu'on ait d'ailleurs subi un deuil ou qu'on ait à traverser un deuil. Et du coup, le système IET, eh bien, du coup, ça marche très, très bien à distance. Moi, vous voyez, je travaille avec ma petite peluche, la panthère rose. Et avant, elle était là. Et pour la petite anecdote, un jour, on a fait une conférence avec Sana. Et du coup, parce que là, je suis dans mon bureau et moi, je travaille à distance, donc je fais des soins à distance. Et d'un coup, elle me passe en grand écran. Et d'un coup, on voit ma panthère rose comme ça, qui était là. Et tu te souviens de celle-là? Ça m'a déstabilisé. J'ai dit, merde, on voit ma panthère rose. Alors, je me suis dit, soit les gens, ils vont croire que j'ai le syndrome Peter Pan. Et du coup, je suis là, j'ai besoin de câlins parce que j'ai pas fait le deuil de ma mère. Ou soit je dis, bon, à quoi ça me sert? Et bien, du coup, je suis lancé dans l'explication. T'as bien raison. Ben ouais, sinon, ça aurait fait un peu tâche. Donc, ça, c'est une technique assez, assez moderne qui a été créée par Steven G. Tyler, qui, du coup, permet de dégager émotionnellement toutes les émotions qu'on n'arrive pas à verbaliser. Hein. Je rappelle, le titre de la conférence, je ne l'ai pas choisi par hasard, « Guérir ses mots à travers les mots ». Mais des fois, c'est dur aussi d'exprimer ces mots. Des fois, on en a marre, des fois, on ne veut plus, des fois, on bloque. C'est légitime, on passe tous par là. Donc, du coup, ce système-là est un système qui permet d'extraire et de remplacer par des énergies positives, des énergies bienveillantes, des énergies qui vont augmenter le taux vibratoire. Et c'est pour ça que j'adore cette technique, parce que ça permet de faire de la thérapie brève. Et pour la petite anecdote, la semaine dernière, j'ai transmis un message de défunt à quelqu'un qui avait perdu son mari, qui était mareilleur. Et du coup, j'ai commencé à transmettre son message. Et donc, du coup, voilà, au bout de trois quarts d'heure, une heure, c'était terminé. Et du coup, on enchaînait avec un soin. Et dans les séances de médiumnité, à la fin de chaque séance, je propose aux personnes de ressentir la présence par un lien du cœur. Et du coup, c'est vrai que la personne, elle ne ressentait pas trop. Et je commence mon soin à IET, et normalement on a chaud, on a très chaud, voyez, quand on a fait le soin, parce que c'est un lit des anges. Et d'un coup, j'arrive sur les épaules, elle me dit, mais j'ai très froid sur les épaules, et j'ai l'impression qu'il y a des mains qui sont posées sur moi. Et en fait, c'est son mari qui en avait profité pour passer par la colonne d'énergie. Ah non, mais c'est une histoire de dingue. Du coup, qui était là, et qui du coup, comme, vous savez, les défunts qui ne sont pas montés, ils prennent de l'énergie. Ouais. Et bien, du coup, ça lui faisait un gros froid. Et en même temps, elle sentait beaucoup d'amour. Alors, c'était un petit peu paradoxal, mais du coup, elle ressentait à la fois l'amour des anges par ce soin, mais aussi l'amour de son mari qui venait lui rendre visite et qui, et comme ça, elle demandait « Oui, ça ne vous dérange pas si je reste ?» Je lui dis « Non, non, allez-y, il n'y a pas de souci. » Et du coup, ça montre bien à quel point les thérapies énergétiques pas seulement l'IET, hein, il y a plein de systèmes qui fonctionnent très bien, permettent vraiment de travailler en lien avec nos disparus, avec nos défunts, et aussi de les aider à partir. Et les aider à partir, et ça va être un petit peu la conclusion, parce que je vois qu'on est déjà à une heure et demie, que le temps passe vite, et j'aimerais qu'on prenne un temps pour répondre aux questions. Bien sûr. Et aussi, peut-être, Jacques, tu nous disais tout à l'heure que tu avais envie de partager une technique aussi. Donc après, j'arrêterai là. C'est sur la notion de, vous savez, le pardon. Le pardon, je rencontre pas mal de monde. Moi, le premier, j'ai eu énormément de mal à pardonner. C'est une de mes grandes distorsions. Moi, je suis assez rancunier dans la vie.
J'ai une famille dysfonctionnelle. Hein. Je me suis battu pour avoir mon héritage, par exemple, contre mon grand-père, contre ma tante. J'ai fait des procès. Enfin, bref, c'est toujours cette énergie de rancune qui m'a tiré vers le bas. Et le pardon, eh bien, c'est souvent, je trouve, bloqué par ce qu'on appelle l'orgueil. Moi, mon orgueil, c'est « mais je ne vais pas lui pardonner, elle ne le mérite pas ». Vous savez, des phrases comme ça. Ou « je ne vais pas lui pardonner parce que, de toute façon, il n'y a vraiment qu'une raison de lui pardonner ». Mais on ne trouvera jamais des raisons de pardonner. Le pardon, c'est un acte d'amour qu'on fait envers soi. Le pardon, très clairement, c'est un acte d'amour qu'on fait envers soi avant tout pour se libérer soi-même. Et je vous raconte une dernière anecdote. Allez, parce que j'aime bien raconter des histoires. Mais oui, on les aime bien. Je me suis formé à l'IET, ça fait 6 ans maintenant. Ouais. À l'époque, donc je vous ai raconté un petit peu la problématique de l'héritage de ma maison. Et cette maison, si vous voulez, j'ai voulu la vendre aux enchères. Et ma tante habitait dedans, elle n'a pas voulu la vendre. Donc, j'ai fait un procès contre ma tante, qui a duré 5 ans, où j'ai fait appel à un avocat. Et ça a été très difficile, puisque se battre pour libérer une maison, avec tout ce que ça implique, c'est compliqué. Et puis, je suis arrivé en stage IET, et du coup, ce que m'ont dit mes enseignants, c'était très juste. C'était, si ta maison, elle ne se vend pas, c'est parce que tu n'arrives pas à pardonner à ta tante. Je leur ai dit, mais vous avez carrément raison, j'arrive pas à lui pardonner, c'est trop horrible ce qu'elle a fait. Pas contre moi, hein, contre ma tante qui était trisomique, elle lui a fait beaucoup de mal et du coup, j'en ai beaucoup voulu. Et du coup, eh bien, j'ai accepté, en étant aidé, parce que j'arrivais pas à le faire tout seul, de pardonner à ma tante. Je peux vous dire que j'en ai bavé. Mais par contre, le pardon, c'est un petit peu la même sensation que je vous ai décrit tout à l'heure quand j'ai aidé ma mère à passer vers la lumière. C'est un acte de libération, d'allègement qui trouve, c'est un acte noble qu'on fait pour soi. Et le pardon, c'est un des chemins de l'amour et c'est aussi une des étapes du deuil qui a des répercussions dans la matière. Pourquoi je vous raconte cette petite histoire? Parce que j'ai fait cette initiation au mois d'août et au mois de septembre, eh bien, j'ai reçu un mail de l'avocat qui disait « Votre tante accepte enfin de verser l'héritage qui vous revient, vous allez donc recevoir la somme de… » Là, j'ai fait « Wouah !» J'ai bondi de joie. Non, mais j'ai bondi de joie, mais pendant 10 minutes, quoi, du genre « Wouhou !» Et là, tout de suite, je me suis dit « Mais c'est dingue à quel point la vie, nos épreuves de vie, elles sont très éducationnelles, elles sont… » aussi un apprentissage, et ça on le retrouvera dans une conférence à la prochaine qu'on fera ensemble avec Sana, c'est sur comment communiquer avec notre équipe céleste, hein. C'est le 29 novembre, comment communiquer avec son équipe céleste, parce qu'on a beaucoup parlé de théorie, on a beaucoup parlé de concepts ce soir, mais je pense que tant qu'on ne vit pas par expérience, et c'est pour rejoindre ce que Jacques disait, tant qu'on ne l'intègre pas, quand on ne le conscientise pas, quand on ne fait pas un vrai travail, eh bien, du coup, on ne récolte pas forcément les fruits dans la matière. Et c'est aussi pourquoi, des fois, il y a des héritages qui restent bloqués pendant des années. Ouais. Et c'est mon message de fin. Je pense qu'aujourd'hui, le pardon que j'ai fait envers ma tante, ça a été quelque chose, un acte d'amour envers elle, alors que j'avais de la haine. Donc, c'est quand même un sentiment opposé. Mais en même temps, je ne regrette pas. Alors, je vous dis ça, OK, parce que j'ai pu avoir cet héritage et acheter cet appartement, mais aussi parce que je comprends à quel point les émotions nous emprisonnent et à quel point aussi je me suis pourri la vie avec cette colère, avec cette rancune. Et je pense que s'il y avait une conclusion à porter, c'est je vous souhaite à tous de pouvoir pardonner à nos proches, pardonner aussi à ceux qui nous font du mal, à ceux qui nous blessent, pardonner à nos ennemis aussi, c'est un des plus bels exemples de la capacité d'amour que l'on peut fournir. Oh. Merci. Alors, je vais ajouter quelque chose par rapport au pardon. Tout à l'heure, j'ai dit que chaque conflit que je peux avoir, c'est une interprétation d'un manque d'amour. Oui. Et la guérison arrive souvent quand on fait le vrai pardon, parce que dans pardon, tu as pardonné. Alors, c'est redonner l'amour à la situation. Je peux me redonner ou redonner à l'autre personne vraiment l'amour par
le don de l'amour, pardonner. Alors, c'est ça qui fait que la guérison s'installe. Voilà. Merci de la précision. Merci de la précision sur les mots. Oui, ben c'est ça. Mais c'est pour ça que tu es invité, Jacques, ce soir. Ça correspond à la réalité. Mais c'est tout. Complètement. Et tu disais d'ailleurs tout à l'heure que tu voulais revenir sur le mot, je crois que c'était perdu. Tu disais que tu voulais revenir dessus pour qu'il y avait une signification particulière. Perdu, écoutez, il y a cinq grandes parts fondamentales décrites par Napoléon Hill que je parle dans mes livres. Oui. Il y en a six, mais j'en ai mémorisé juste cinq. Parmi les six, il y en a cinq qui sont la maladie, la pauvreté, la critique, le fait de vieillir et la perte de l'amour de quelqu'un. Mmh. Et si on va sur mon site perso, pas celui-là de la compagnie, qui est www.jacquesmartel.com, et dans la section texte, il y a plusieurs textes, dont un qui sont notés par ordre de rentrée au niveau des dates. Et celle du 17 janvier 2000 s'appelle « La mort, un pas vers la lumière ». Dans la première partie, j'explique que souvent, quand personne décède et je vois la personne dans une boîte de bois avec des poignées, j'ai l'impression d'avoir perdu son amour. OK? Mais est-ce que j'ai perdu son amour? Mais mon mental enregistre que j'ai perdu parce qu'elle est décédée. Donc, même si son amour est là, j'ai programmé que je l'ai perdu, alors que ce n'est pas la réalité. Ouais. Et je l'explique dans la première partie du texte, que dans l'atelier, en tout cas, je prends une certaine formule et je demande le prénom de la personne qui est partie. Elle se manifeste et la personne qui dit avoir perdu cette personne-là, elle se reconnecte à l'amour de la personne qui est partie quelques années auparavant. À quelque part, il n'y a rien de magique. J'ai juste fait faire la connexion qui existait déjà, que la personne avait enregistré que ça existait plus, qu'elle l'avait perdu. Alors, il y a un grand sentiment de sécurité qui s'installe. De sérénité qui s'installe. Bon, mais c'est sûr que je ne peux plus parler à la personne, je ne peux plus l'entendre, je ne peux plus lui toucher, je ne peux plus ça. Mais l'aspect qui est important, c'est l'amour de la personne. Une des six grandes peurs, c'est de perdre l'amour de quelqu'un alors que je ne l'ai pas perdu. Il est encore présent. On l'a interprété comme une perte. Je permets, avec l'exercice que je fais, je l'ai fait plusieurs fois en atelier souvent, de reconnecter la personne avec la personne qui est devant moi physiquement, avec la personne, que ce soit le mari, un enfant, quoi que ce soit, de se reconnecter à l'amour qui est encore présent. Ça, c'est dans la première partie du texte. Dans la deuxième partie du texte, c'est « La mort, un pas vers la lumière ». C'est un maître spirituel qui a écrit ce texte-là. Et moi, j'ai été pendant quelques années où je lisais ce texte-là dans les salons funéraires, quand on me le demandait, tout ça. C'est un texte qui est très, très spirituel et qui donne beaucoup d'espoir aux gens. C'est un maître spirituel qui avait atteint la réalisation de Dieu qui a écrit ça. Donc, c'est disponible. Ça s'appelle « La mort, un pas vers la lumière ». Et ça arrive régulièrement que quand quelqu'un, je ne sais pas, des fois je vais sur YouTube, sur Facebook, il y a un militaire qui s'est fait tuer par rapport à telle chose et tout, c'est un bon garçon. Fait que là, je vais chercher le texte et je le mets dans les commentaires. Ou quelqu'un d'autre qui a perdu. Des fois, ça m'arrive régulièrement de le faire, de mettre ce texte-là, parce que, et ce texte-là, je l'ai lu au décès de mon père, à son service à l'église. Voilà. Wow. Ça aide à être plus dans une atmosphère d'acceptation aussi. Voilà. Merci Jacques de préciser cela. Donc je pense qu'on a tout mis dans le chat pour que vous puissiez retrouver aussi ce texte. Et bien évidemment, si vous le souhaitez, on pourra vous le communiquer si vous nous écrivez pour qu'on puisse le partager. Annelise, tu voulais peut-être... Peut-être un petit truc pour Clotaire et pour Jacques. Bien sûr que l'amour est toujours là, mais comment faire avec le fait que la personne nous manque, parce qu'on ne peut pas, comme tu disais, la toucher et tout ça.
Alors moi, je suis assez mal placé pour en parler parce que j'ai encore ce manque affectif dans ma vie. Moi, c'est mes épreuves d'orphelin et créer ce vide. Donc, j'ai des techniques, mais je n'ai pas encore réussi. Donc, je suis très mal placé pour en parler. Donc, je vais laisser parler Jacques. Mais Annelise, si la personne me manque, c'est parce que j'ai un attachement. Hein? J'ai l'attachement ou j'ai l'impression d'avoir perdu son amour. C'est les deux choses. Hein. OK? Oui. Parce que l'aspect qui est important d'une personne, c'est l'amour qu'on a pour cette personne. Alors, ça peut être une personne, c'est pas nécessaire qu'une personne nous manque pour qu'elle soit décédée ou qu'elle nous manque. Elle peut être déménagée sur un autre continent, puis j'ai plus cette proximité-là que j'avais, que c'était comme ma soeur jumelle ou quoi, j'ai quelque chose du genre, là, tu comprends-tu? Mais si c'est quelqu'un qui a quitté son corps physique, définitivement, ben, c'est parce qu'il y a de l'attachement. Hein? Le sentiment que j'ai, il est réel de ce que je vis, mais c'est parce que c'est de l'attachement. Autrement, je n'ai pas de l'attachement. J'ai pas de l'attachement. J'ai une sérénité qui s'installe à l'intérieur de moi. Tout est question d'attachement. Je vais vous partager quelque chose de très personnel. Hein? Nous sommes en 2021, donc en 2020, à l'automne, j'ai vécu une situation, je dirais, sentimentale avec quelqu'un. Une situation que je n'avais jamais vécue auparavant, mais je ne savais pas quel mot mettre là-dessus parce que je n'avais jamais vécu ça. Et la personne en question a correspondu à 90 % des critères que moi, je recherchais chez quelqu'un. Donc, c'était quelque chose d'important. Et puis, il y a des choses qui sont mises en branle. Au bout d'une semaine, bon, j'ai révélé mes sentiments à cette personne-là. Et cette personne-là a dit non par rapport au fait qu'on s'engage. Mais ce qui m'a fait plus mal, c'est que la personne a dit non, mais dans sa tête, elle n'est pas allée voir dans son cœur. Mais moi, je peux pas forcer les choses. Hein. Et quand je suis revenu, comme c'était nouveau, j'ai un thérapeute que je vois depuis des années. J'avais eu le feeling de quelque chose. J'ai dit, parce que c'était la première fois que j'avais vécu ça. J'ai dit, est-ce que ça se peut que j'ai eu un coup de foudre? Il dit oui. Mais c'est la seule fois dans ma vie que j'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un. Eh bien, en dedans de 5 minutes, avec une technique spéciale, 5 minutes, j'ai pu me détacher complètement de cette personne. Et Jacques, est-ce qu'on peut dire que ton coup de foudre, il est passé en un éclair, du coup? Non. Je l'avais toujours. Mais, sauf que c'est resté, ma mémoire est restée avec quelque chose que j'avais vécu avec une personne que j'avais ressentie, mais il n'y avait plus aucune émotion. Aucune émotion. Parce que j'en étais détaché. C'est ça. C'est le secret, là. Des fois, je veux essayer de comprendre, et j'ai l'impression que si je comprends, ça va se régler, mais non, des fois, je comprends et ça ne se règle pas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça a été fait spécialement pour les Français. J'avais fait une conférence. Arrête de nous stigmatiser, Jacques, sérieux. Les Français, tu nous stéréotypes, là. Oh, titre de la conférence était « Est-il plus important de comprendre ou de guérir? » Savez-vous qu'il y a des gens qui ne guérissent pas parce qu'il faut qu'ils comprennent? Ils ont posé comme condition « Il faut que je comprenne. » Alors qu'il y a des gens qui vont à Lourdes, à Medjugorje ou ailleurs, ils ne comprennent pas puis guérissent. Si ça m'aide à guérir et à être dans l'ouverture et à être dans l'acceptation et à être dans, à être dans les 5 étapes pour parvenir à la guérison, si ça m'aide, tant mieux. Mais si je pose ça comme condition, il faut que je comprenne pour guérir, peut-être que là, ça me met une limitation. Curieusement. Vois-tu? Alors, c'est ça. C'est hyper important ce que tu partages là parce que Jacques, bon, là, dans le chat, hein, je lis comment se détacher de sa flamme jumelle parce que souvent il y a ces rapports toxiques entre chasseurs. Tu connais un peu fait, minimum fête de bonhomme à limite. Là. Je ne dis pas que ça règle tout. Là. Je ne dis pas que ça règle tout, là, mais minimum fête de bonhomme à limite. On commence par ça puis on complétera par autre chose, c'est tout. Là. Minimum. C'est un cadeau à l'humanité. Est-ce que je suis clair? Oh oui. Moi, j'ai reçu ça de mes maîtres. C'est un cadeau à l'humanité. Hein? C'est le détachement.
C'est un exercice de détachement. Le détachement, ça vient du bouddhisme. Et les maîtres avec lesquels je fais affaire s'appellent les maîtres Vairagyi. Et Vairag, ça veut dire détachement. C'est la lignée de maîtres. Tu as les maîtres ascensionnés, tu as les maîtres, plusieurs sortes de lignées de maîtres, là. Mais moi, les maîtres avec lesquels je fais affaire, c'est les maîtres Vairagyi. Donc, Vairag, qui veut dire détachement. Et ça va dans cette même lignée-là de fonctionnement, d'apporter plus de détachement dans la vie de quelqu'un. Voilà. Pour avoir une plus grande liberté, plus d'amour, plus de sagesse. Voilà. OK. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup à tous. On va prendre quelques questions. Alors, j'en ai retenu quelques-unes parce qu'il y en a eu beaucoup pendant toute cette conférence. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que voilà, la question, je la pose comme je m'en souviens, soit c'est une thématique ou la question en entier. Et voir après, je pense que Jacques, Clotaire, enfin, voilà, en complément, voilà, vous pouvez tous les deux répondre à ces questions. Et pareil, hein, Clotaire, tu peux apporter tes éléments. Concernant... Alors, tu en as parlé, hein, Jacques, concernant le décès, le travail à faire. La question des fausses couches, le décès par rapport aux fausses couches, est-ce que c'est le même process? J'imagine que oui, mais... On en parle dans la technique des petits bonshommes à allumettes, c'est un des exercices aussi. Et, okay. et en parlant de ça, là, mm-hmm. Moi, Lucie qui a fait le livre, j'ai appris quelque chose dans ce qu'elle a fait, c'est que 25%, et c'est physiquement, 25% des femmes qui sont enceintes ont habituellement deux ovules de fécondés. Habituellement, 25%. C'est énorme. C'est un quart. Mais habituellement, souvent, il y a un ovule qui s'en va. Donc, il en reste un, c'est lui qui va se développer, faire un bébé. Mais l'ovule qui reste, lui, puis qui se développe, il peut avoir l'impression d'avoir perdu son frère ou sa sœur jumelle. Et il vit avec la personne va vivre avec un manque de quelque chose qu'elle n'arrivera pas à identifier. On cherche dans l'enfance, on cherche dans ci, on cherche dans... Alors que ça vient au moment de la conception. Et j'ai parlé de ça il y a quelques semaines avec quelqu'un, la personne a cliqué tout de suite et il est venu une guérison presque instantanée. Donc, on en parle dans le livre La technique des petits bonshommes à l'humide. Super, merci. Merci Jacques. Tu voulais dire quelque chose, Clotaire? Non, je n'ai rien d'autre à dire plus intéressant que ce que Jacques vient de dire. Non, mais tu as aussi peut-être une expérience ou quelque chose autour de ça. Enfin, voilà, des personnes qui t'ont suivi. Pas toi personnellement, évidemment, mais je veux dire des gens que tu suis, qui te suivent, que tu accompagnes, tu vois. C'est une histoire où quelqu'un avait justement fait cette fausse couche, elle n'arrivait pas à faire le deuil, elle n'arrivait pas à retomber enceinte. Et ça... C'est aussi quelque chose qu'on peut trouver en termes de conséquences énergétiques, mais aussi conséquences émotionnelles, hein, parce que du coup, perdre une vie après, on va créer des sentiments un peu de culpabilité, de peur d'accueillir un enfant. Et du coup, je lui ai proposé un rituel, une symbolique avec nommer cet enfant, donner un nom, hein, trouver des mots pour guérir ces mots, le nommer, lui donner identité, et ensuite faire un rituel de deuil, qui rejoint exactement ce dont je vous ai parlé au début de la conférence avec les techniques de visualisation, par exemple, de recueillement du corps, d'enterrement, et tout ça associé à l'IET, donc la thérapie d'énergie intégrée, et bien, du coup, a permis du coup, de libérer vraiment tous ces blocages inconscients. Mmh. Et du coup, après, elle est tombée enceinte, elle est une petite, là. Ouais. Mmh. Et bien, carrément, donc c'est beau. Donc, on voit bien que... et c'est aussi le fil rouge de cette conférence, on voit bien aussi que la libération émotionnelle permet aussi des cadeaux d'amour dans la matière et permet du coup de réaliser aussi ses objectifs, de réaliser ses projets de vie. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de partager, d'inviter Jacques ce soir et de partager avec vous sur le thème de cette conférence. C'est cool. Et les gens qui tombent enceintes, j'espère qu'ils se font pas mal. Hein? Non, mais j'insiste sur le fait de tomber, parce que tomber, c'est le conflit de la sclérose en plaques, tomber. Alors, il faut faire attention quand on utilise ce mot-là. Ben oui, mais c'est ce que tu veux utiliser, de tomber amoureux. Genre, oui, mais c'est tellement inscrit dans notre langage courant. Tomber en amour, oui. Non, mais même si c'est dans le langage courant, quand je tape sur mon ordinateur, là, tomber, c'est tomber, là. Ouais. Tu m'étonnes. Non, mais le cerveau, c'est un ordinateur.
C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos mots. C'est pour ça. Alors, voilà. C'est clair. Bon, on soulèvera, je pense, beaucoup cette notion, puisqu'on va te réinviter plus tard que lundi prochain pour pouvoir parler. Oui, mais et puis, par rapport aux fausses couches, là, je comprends là, qu'on fasse ce rituel-là, qu'on le nomme, tout ça, c'est très bien. Parce que mentalement, hein, si je suis cette personne qui a fait une fausse couche, mentalement, j'ai enregistré quelque chose qu'il y a une vie qui a été perdue. Mais je n'élaborerai pas là-dessus. Mais l'âme rentre dans le corps au moment de la naissance ou dans les heures qui suivent. Point à la ligne. Alors, on fait ce qu'on veut avec ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'après, ça veut dire que conséquemment, qu'un fœtus parte naturellement ou autrement, on n'a pas détruit la vie. L'âme rentre dans le corps après la naissance ou dans les heures qui suivent. Et si l'âme ne rentre pas dans le corps dans les heures qui suivent, ben le bébé, il va arrêter de fonctionner. Le tissu biologique, je dirais, là, il va arrêter de fonctionner, tout simplement. Tout à fait. Donc, il n'est pas question de parler de meurtre ou quoi, ou si ça. Oui. Non, mais c'est important, hein. C'est tellement important de le préciser. C'est du langage courant et on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Toutes ces choses. Merci de le préciser, Jacques. Et c'est quelqu'un qui avait la réalisation de Dieu qui a fait cette affirmation-là. C'est pas moi qui ai décidé ça. Là. Bien sûr. Mais enfin, on prend ce qu'on veut. Ça peut nous parler. Ça peut pas nous parler. Je peux être en réaction par rapport à ce que je viens d'entendre. C'est des expériences, okay. C'est tout. Exactement. Oui. Merci Jacques, merci beaucoup. On avait une deuxième question qui était, ciblée Clotaire. C'était sur Clotaire, c'était par rapport au fait que la personne ne savait pas dans quel cycle elle était par rapport au deuil. Comment on sait dans quel cycle on est ? Dans quelle étape, pardon. Je vous remontrerai les étapes, donc je vais faire un partage d'écran et je vais reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la notion de deuil. Alors du coup, je fais ça, donc là, vous voyez mon écran. Ouais. Là, je vais zoomer. Le deuil n'est pas linéaire. Alors, là, on voit juste tes fichiers. On voit que tes fichiers. Ouais. Ah bon, c'est pas normal. Alors, peut-être parce qu'il faut que je fasse ça. Partager l'écran. Ouais, partager l'écran. Ouais. Ok. C'est ça. Parce que là... Voilà. Et là, vous allez avoir les étapes du deuil. Okay. Donc, du coup, on n'avance pas dans un deuil comme on avance sur une route. On ne va pas d'un point A à un point B. On peut passer par différentes phases. Les phases les plus difficiles sont celles où colère, tristesse, angoisse, culpabilité qui peuvent aussi nous bloquer dans ce qu'on appelle une dépression. Et dans ces cas-là, sortir de la dépression... Savoir où on en est, pour répondre à votre question, c'est qu'est-ce qui me donne envie d'aller mieux? Pourquoi je vis? Pourquoi je me lève? Pourquoi je me bats? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Et là, avec ces questions-là, mais avec un travail profond, vous allez avancer vers l'étape de reconstruction. Mais Rome, c'est pas fait en un jour. On se reconstruit pas avec une seule brique. Ça prend du temps. Et ce phénomène-là, il peut durer, ça dépend des individus, des personnalités et des capacités. Mais du coup, je pense, plus on se pose des questions, plus on s'analyse et plus on se remet en question, et plus on fait le travail aussi, parce que c'est ce qui est ressorti beaucoup avec les exemples de Jacques, hein, c'est qu'on peut rester, on peut très bien comprendre dans sa tête, mais pas comprendre avec son corps. Or, tout ce à quoi on résiste persiste, et tout ce à quoi on fait face s'efface. Donc, je dirais que plus on travaille et plus on se libère émotionnellement et plus, du coup, le fardeau s'allège, mais même plus que ça, plus on se libère et on va petit à petit vers la paix du cœur. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes étapes. Hein. On doit valider. Ouais, c'est ça. Valider. Tu valides un pouce en l'air, Jacques. Merci. Ah, c'est clair. C'est très clair.
Du coup, il n'y a pas d'étape pour tout le monde la même. Il peut y avoir des moments où on est... Exactement, ça dépend aussi, ça dépend de plein de paramètres, la personnalité, l'éducation. Dans des familles, par exemple, ou des familles de taiseux où on n'a pas l'habitude de dire les choses, de mettre des mots sur les émotions, il peut y avoir de lourds secrets familiaux qui vont compliquer et qui vont retarder des étapes du deuil, par exemple. Ok. Ça dépend des paramètres. Para, espace, M majuscule, A, T-R-E-S. Des para. Trop bien, j'adore. Voilà. Alors, il y en a une qui doit être super contente, là, parmi les 400 personnes et plus qui nous suivent là, ce soir. C'est Mylène Levachère qui adore jouer sur les mots, le jeu, le langage des oiseaux. Je pense que là, ce soir, elle est servie. Ah, c'est merci, cool. Jacques. Claire. Ben, j'espère que c'est le cas pour tout le monde aussi. J'espère que... Bah ouais, mais complètement. Complètement. Oui, ben, ça a été diversifié avec nous quatre, surtout la table. On a des expériences de vie différentes, hein, puis ça se rejoint éventuellement. Hein, Bon, après, comme ça, chacun prend ce qu'il a envie de prendre, puisqu'on n'a pas la science infuse, hein, on n'a pas la vérité absolue, donc non, voilà, chacun fait ça, son opinion, en fait. C'est OK. On avait d'autres questions. Sylvie qui nous dit, est-ce que tous les défunts veulent partir ? A-t-on le droit de faire partir des gens qui ne le souhaitent pas ? Alors, tous les défunts ne veulent pas partir, non, c'est clair et net. Si tous les défunts voulaient partir, on n'aurait pas de fantômes, on n'aurait pas de dame blanche, on n'aurait pas de phénomène de possession dans la maison. Et il n'y aurait pas de passeur d'âme. Logique. A-t-on le droit de faire partir ces gens quand ils ne le souhaitent pas ? C'est une bonne question. Et moi, je vous dirais que ça s'appelle, c'est un phénomène, ça s'appelle un dégagement. C'est quoi un dégagement ? Ça, on le verra en détail mardi 3 mai dans la conférence « Êtes-vous des passeurs d'âme ?» parce que ça m'arrive souvent de faire des nettoyages de maisons. Donc, je travaille à distance. Il y a vous savez, des âmes, des anciens propriétaires, tout ça. Ils en foutent des étapes du deuil et ils s'en foutent de la notion de libération matérielle. Au contraire, ils sont dans l'attachement, le surattachement. Du coup, ils ne veulent pas lâcher la maison. Et du coup, ils créent beaucoup de conséquences. Là où j'interviens... Enfin, j'interviens entre guillemets, moi je suis rien, je suis qu'un petit humain. Je fais appel à l'archange Michael. L'archange Michael va faire ce qu'on appelle un dégagement. Il va emmener le défunt dans un plan intermédiaire. Heureusement, l'univers est vaste. Hein, et va permettre du coup de libérer la matière, la maison actuelle, pour qu'elle ne subisse plus l'influence du défunt. Donc, la réponse, c'est oui, dans certains cas, on peut le faire. Mais il faut que ce soit juste. C'est toujours pareil. Alors, les gens qui ne veulent pas partir, souvent, c'est parce qu'il y a de l'attachement. Mais si on a de l'attachement, c'est parce que moi, je peux avoir de l'attachement par rapport à eux. Donc, c'est important que je commence à me libérer de la personne pour qu'elle se sente plus libre. Et sur le site www.atma.ca, quand on va dans la musique, il y a deux méditations guidées qu'on peut écouter et un mantra spirituel qui est le chant du You. Qu'on fasse jouer l'une des trois à ces personnes-là et ça peut aider à relâcher au lieu d'être pris mentalement. Et souvent, c'est le mental qui empêche que je libère mon corps pour partir de façon harmonieuse à un autre plan de conscience. Voilà. Mmh. Okay. Il y a une autre façon que des gens, très peu de personnes peuvent faire, mais ça coupe l'électricité et la personne part. Il faut qu'elle veuille, par exemple. Elle part dans les minutes qui suivent. Mm-hmm. Ouais. Si ça coupe l'électricité, elle n'est plus au courant, quoi. C'est ça, mais ça coupe l'électricité. Merci. Alors, merci Annelise parce que celle-là, c'est pas trop plus. Merci, elle est excellente. Excellente. Ouais, j'ai une de mes tantes, une de mes oncles qui était diabétique. On était pour lui amputer une jambe. Il dit non, ça ne marchera pas. Ben, dans les 2 heures qui ont suivi, la personne t'a décédé. Hein. On peut décider qu'on part aussi. On peut le décider. Et ça se fait. Ah ouais? Oui. Oui, on le décide. Donc, on a des gens à d'autres niveaux qui peuvent nous aider à partir comme ça. Là. Par choix.
Pour être plus clair, tu parles de l'euthanasie, tu parles non, 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 je veux dire, moi j'ai déjà dans ma famille, une de mes tantes et une de mes oncles, quand ils ont su les opérations qui arrivaient et ils ne voulaient pas vivre ça, ils ont dans les heures qui ont suivi, ils sont décédés. Wow. D'accord. Ils n'étaient pas nécessairement en phase terminale, là, mais ils ont décédé, tout simplement. Mais il faut dire que dans cette famille-là, c'est un peu tous des sorciers, là. Mais ils l'ont décidé et les événements ont fait qu'ils sont partis comme ça. D'accord. OK. C'est possible. Ça, c'est possible. Faut le dire aux gens. Faut leur dire qu'ils ont le droit de partir et qu'on les laisse partir et qu'on les encourage et que tout va bien se passer et que ça va être très beau dans ce qui va suivre. On peut les encourager. Souvent, la peur que je peux avoir, hein, si je vis ça, la peur que je peux avoir, c'est la peur de l'inconnu. Alors, c'est pour ça qu'il faut rassurer les gens. Et dans le grand dictionnaire des malaises et maladies, il y a un item qui est marqué la mort. Mais la mort, ce n'est pas une maladie. Mais j'ai voulu mettre l'item la mort pour dire aux gens que quand la personne est sur le point de partir, des fois, là, de rester très, très proche, parce que ce qui a causé la maladie, au moment de faire la transition, ça se peut que la personne guérisse, qu'elle ait un processus de guérison, d'acceptation du conflit. Maintenant, pourquoi qu'elle va décéder? C'est parce que le cerveau, qui est un ordinateur de cinquième génération, il se rend compte que c'est comme une vieille auto. On a trouvé le souci, mais là, il y aurait tellement de choses à réparer que c'est mieux de partir. Mais dans les instants qui précèdent le départ, ça se peut qu'il y ait une guérison qui se fasse. Et ça, on peut le ressentir. Et ça, on peut en être témoin que la personne vient de guérir et elle quitte son corps physique. Wow. Donc, on peut être témoin de ça. Et donc, c'est un très, très, très beau moment à ce moment-là. Eh oui, c'est un moment de libération, aller vers la lumière. Bien sûr. Ça, on en parlera en détail. Êtes-vous des passeurs d'âme avec cette notion de passage vers la lumière, de libération, de comment fait-on si on les retient? Clotaire, on m'a dit il y a 20 ans que j'étais un passeur d'âme, mais je n'ai pas utilisé ça encore. Je ne l'ai pas utilisé. Eh bien, il faut te former, Jacques. Hey, je t'offre une formation si tu veux. une chose à la fois, C'est un écrivain, prolifique en France, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Il avait écrit un livre, entre autres, il a écrit une dizaine ou une quinzaine de livres, dont un qu'il avait écrit, qui avait communiqué avec Marilyn Monroe, Jean 23. Je ne me souviens plus que c'est quoi son nom, là. Et puis, on s'était rencontrés, mais il dit, « T'as rendu compte que tu es un passeur d'âme? » Je dis, « Non, je ne sais pas, ça doit faire 15 ou 20 ans de ça. » Je dis, « Non, mais bon, mais c'est possible. » Si l'occasion se présente ou quoi, mais pour l'instant, là, je n'ai pas l'envie de développer nécessairement ça pour l'instant. Je m'occupe de moi-même. C'est déjà suffisant pour l'instant. C'est déjà bien, c'est très bien. Et merci d'ailleurs pour tout ce que tu fais pour ce monde, pour nous, pour la communauté aussi ce soir du grand changement, les personnes qui nous suivent. Merci beaucoup. On a d'autres commentaires. Je ne sais pas si Annelise, tu en as soulevé un ou pas. Alors, je n'en ai pas soulevé spécialement. Il y en a pas mal. Okay. J'en ai cherché, mais vas-y. Okay. C'est pas trop lourd. Alors, il y en a pas mal. Annelise, il y en a pas mal ou il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Ah. Merci, ben, Jacques. J'ai mon livre qui s'appelle Le pouvoir des mots. Hein, c'est un de mes 4 best-sellers, de mes 5 best-sellers. Le pouvoir des mots qui me libère. Oui. C'est ça. Ben, moi, il y avait un commentaire, c'était pour Clotaire, c'était ce que tu utilisais avec les anges. Il voulait la référence. Je ne sais pas si tu l'as mise, Annelise, dans oui, le. La référence, ouais, IET, j'ai tout mis. C'est l'IET, thérapie d'énergie intégrée. C'est sur guidespirituel.fr, rubrique soins. Et vous allez voir les objectifs de l'IET, la libération qui mélange l'aspect libération émotionnelle et aussi l'aspect du pardon, par exemple, dont on a beaucoup évoqué les tenants et aboutissants ce soir. Mmh.
Alors moi, j'aurais une question pour Jacques et puis pour Clotaire. Ça serait vraiment quand la personne, elle vient de vivre le deuil, elle est vraiment très prise émotionnellement et la personne lui manque énormément et elle a mal. Ça serait quoi les trois premières choses qu'elle pourrait faire, que vous conseillerez ? Être aidé, l'entourage, se confier. Ok. Être aidé par des personnes proches, plus ou moins proches de la famille du défunt. Parce qu'être soutenu, c'est super important dans cet moment. Ça diminue le sentiment de solitude. Ensuite, verbaliser, trouver quelqu'un pour être écouté, c'est exactement ce dont on a parlé ce soir. C'est mettre des mots, évacuer son émotion à travers la parole, se libérer, se confier. Et surtout, pouvoir être rassuré, câliné, pouvoir recevoir la tendresse, de l'affection. Ça me paraît... bienveillant et ça me paraît surtout spontané quand on aime les gens, en fait. Ouais. Merci. Et toi, Jacques, tu penses quoi? Moi, tout ce que dit Clotaire, c'est bien, mais on peut ajouter à ça la technique des bonhommes allumettes puis la technique monosyllabique. Allez, on en met une couche! Non, mais je veux dire, c'est deux techniques d'intégration... un ou l'autre, et ce que mentionnait Clotaire, ça peut être un complément à ça, ou inversement, là, un ou l'autre, c'est sûr qu'on se libère. Hein? Je veux dire, qu'on l'écrive sur une feuille de papier, ça nous aide à nous détacher, c'est comme si on parlait à une personne. Qu'on en parle à une personne, on est dans l'écoute, on est dans l'ouverture du cœur, ça aide à intégrer aussi. Qu'on se fasse câliner ou quoi, ben, on est compris, ça aide à intégrer aussi. L'important, c'est de trouver une façon d'intégrer la situation pour la guérir. Mmh. Voilà, c'est tout. C'est ça. OK. Nickel. Merci. Merci. Alors, on prend une dernière question. Et ensuite, on terminera, on clôturera cette Vivra conférence. Carole qui nous dit « Depuis toute petite, je ressens et attire les âmes. Comment les aider à aller vers la lumière sans être vampirisées énergétiquement ?» Alors, c'est vraiment une question... Alors, du coup, je vais vous répondre en tant que formateur, là, plus en tant que thérapeute. Pour éviter d'être vampirisé, il ne faut pas les faire passer en se faisant incorporer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas subir les présences du défunt dans le corps énergétique, mais il faut apprendre en vous formant des techniques pour former une colonne de lumière que vous allez travailler avec soit l'invocation des anges, des archanges. Moi, par exemple, lorsque je fais des passages d'âme, je travaille beaucoup avec Anubis, Jérémiel, Jophiel et Azraël. Je fais une colonne de lumière qui permet de recevoir l'assistance des anges et des archanges et de laisser monter les défunts sans que ça impacte mon énergie. Et comme ça, je ne suis pas vampirisé et on peut en faire passer plein comme ceci. Mmh, nickel, ça c'est clair. Jacques, est-ce que tu as un petit avis là-dessus? Ouais. Ben, faut toujours être vigilant quand on travaille avec des gens qui sont de l'autre côté. Hein. Mmh. D'être vigilant ou de demander la protection ou de se protéger soi-même. Parce que... Que ce soit de l'autre côté ou ici, il y a des bonnes personnes, mais il y en a qui sont des joueurs de tour aussi. Hein. Donc, d'être vigilant, ce avec quoi, si on travaille avec des gens de l'autre côté, prendre des renseignements ou prendre des moyens de protection surtout. Là, sinon, on se retrouve avec des entités. J'ai une amie qui a au-dessus de 50 ans, qui a 10 ans, a fait un jeu de Ouija ou quelque chose du genre, là. Mmh. Et quand elle est allée voir les prêtres exorciseurs, ben, elle avait une entité depuis ce temps-là. C'est pour ça qu'elle ne réussissait pas à garder aucun copain, parce que quand le copain s'approchait d'elle, elle ressentait qu'elle devait le repousser, et ce n'était pas elle personnellement, c'était l'entité qui était en elle. Hey, depuis l'âge de 10 ans, pendant 50 quelques, là. Wow. Fait que des fois, on s'attire des situations qu'on n'est même pas conscient, là, vois-tu? C'est pour ça que je recommande aux gens d'aller se faire vérifier au moins une fois par année. Oui. En France. Mais ouais. Merci beaucoup. Alors, je reprends le site. Merci, Jacques. C'est important. C'est important. Et je relisais un peu les messages, les dernières questions. Christine qui disait, bah, si on est seul, etc., comment on peut faire? Personne à se confier. Eh bien, reprenez les bonhommes allumettes. Refaites ce travail. Syllabique, des mots, d'écriture que Jacques a proposé. Ou écrire, Sana. Écrire, Sana. C'est ça. Oui, le seul fait d'écrire, c'est comme si je le sors de moi.
C'est ça, comme si même je communiquais. Si j'ai personne dans mon entourage, même si je me retrouve dans le désert, si j'ai un papier et un crayon, mais de l'écrire, ça va, c'est thérapeutique déjà. C'est thérapeutique. Donc, c'est un départ. C'est un premier pas vers la libération, voilà. Vers l'avancement. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Génial. Merci pour tout. Jacques Clotaire, pour cette belle et magnifique vibra conférence. Merci à toi. Merci Sana, merci Amélise. Merci Jacques. J'aime laisser le mot de la fin à nos chers intervenants. Il y en a deux ce soir aussi. Parce que, bon, certes, bien évidemment, Clotaire, tu as invité Jacques. Mais j'aimerais qu'on laisse le mot de la fin à nos deux chers hommes ce soir. Vas-y, Jacques, à toi l'honneur. Ok, je veux dire, ça m'a fait plaisir de communiquer. La dernière année, je n'ai pas été beaucoup avec les Français. De 1998 à 2013, j'étais de 6 à 9 mois par année en Europe. Donc, ça a bien changé depuis ce temps-là. Donc, c'est toujours un plaisir de partager des choses, de ce que ça peut aider pour les gens. Puis bon, avec Clotaire, c'est, il y a une belle ouverture et tout ça, et je m'entends bien. Donc, ça va. Hein. Et heureusement pour les gens. Ça va, heureusement, parce que sinon, ça ne l'aurait pas fait. Hein. Oui, mais Clotaire, ça va pas avec n'importe qui. Hein. Moi, je ne vais pas avec n'importe qui. Là. Je veux dire, les autres personnes, ils font ce qu'ils veulent, mais il faut qu'il y ait des atomes crochus à quelque part. Là, hein? Une ouverture d'esprit, tout ça. On a des expériences différentes. Et en ce sens-là, c'est enrichissant pour les gens. Parce que moi, j'ai mon expérience. Toi, tu as ton expérience. Les gens, ils bénéficient des deux expériences différentes. Et c'est enrichissant pour tout le monde. Et dans ce sens-là, c'est merveilleux. Ben voilà, merci à tout le monde. Puis pour ceux qui nous écoutent présentement, ils peuvent me revoir la semaine prochaine. Voilà. Exactement. Sur le grand changement. Alors abonnez-vous. Oui. Pour avoir une petite notification. Voilà, notaire, c'est à toi. À Clotaire. Pas notaire, mais Clotaire. Aussi, peut-être. Je vais conclure comme toi, Jacques, par la gratitude déjà pour Annelise, Sana et toi pour votre partage. Et du coup, c'est la première fois que je fonctionne avec en équipe comme ça. Je trouve qu'on est une super team. Ouais. Et franchement, c'est chouette. Merci d'avoir intervenu, répondre aux questions. Merci aussi à tous les auditeurs qui étaient là parce que du coup, vos questions sont aussi importantes. Je vois que le thème des passeurs d'âme intéresse beaucoup. On n'y a pas répondu parce que ce n'était pas le thème de la conférence. On a parlé des guides et des anges. Ça, on va le retrouver. Donc, le 29 novembre, c'est la prochaine sur LGC avec Sana. Et on retrouvera tous ces thèmes. On ne peut pas forcément répondre à toutes les questions dans une seule conférence. On s'est centré sur le pouvoir des mots pour guérir ces mots. Et du coup, le reste, eh bien, vous le retrouvez dans vraiment des conférences dédiées. Donc, je vous dis au plaisir de vous retrouver. Génial. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à Et bien évidemment aussi. Pardon, vas-y, Jamie. Merci à Annelise et à Sana. Voilà. Ouais, merci, bon, merci, ouais. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Merci à toi, cher Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et surtout, j'ai envie de vous dire, là, je lis des commentaires vraiment positifs sur le fait de pouvoir avancer avec ça. Partagez aussi. Parce qu'il y a parfois des personnes. Voilà, qui n'ont pas forcément connecté, partagez cette vidéo. Elle sera bien évidemment disponible en replay sur YouTube et Facebook. Vous pourrez les avoir. Et donc, partagez-les. Je vous invite à le faire vraiment. Merci à tous. Merci. Au revoir. Passez une bonne soirée. À bientôt.